Démarrer cette conférence sur le sport. Monsieur le Président de Groupama Régional, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Présidents, membres d'associations, et puis les grands témoins sportifs qu'on présentera tout à l'heure. Je vais noter Fabrice Landreau, bien sûr, et Julie Pierret. On peut les applaudir parce qu'ils sont là. Alors, la Couronne est vraiment très, très fière d'accueillir cette conférence parce que pour nous, le sport a forcément une sacrée signification. C'est une ville traditionnellement sportive. Je sais pas pourquoi, à quoi ça remonte. En fait, dans les années 50 et avant-guerre, il y avait des tournois de foot qui avaient lieu entre usines, entre les usines de la Couronne. Et c'était réellement des moments très forts, très très forts. Je veux dire par là, c'est qu'il y avait une vraie compétition entre les papeteries de la Couronne, entre l'Abeille, entre Barillon, entre la Farge. Et généralement, c'est des matchs aussi qui se terminaient pas toujours très bien. Donc, il y avait un esprit de compétition assez excessif. Et puis tout ça, ça a peut-être entraîné effectivement un sentiment d'appartenance. Et c'est vrai que cette commune développe des talents, développe des volontés de faire progresser le sport dans son esprit, dans l'éducation aux jeunes. Et peut-être que nous, on a eu le beau rôle en termes de municipalité de rebondir pour essayer d'aller encore plus fort effectivement sur cette éducation au sport, puisque l'éducation en général est marquée comme notre priorité dans les politiques de la commune. Bref, le sport est bien représenté. On a plus de 3000 licenciés, 20 associations hyperactives, certaines qui sont à des niveaux nationaux, d'autres régionaux, mais avec réellement un point commun, c'est l'éducation au sport avec des écoles de sport labellisées. Ça, c'était vraiment une volonté de notre part. Donc, effectivement, la thématique de cette réunion nous va bien parce que la santé par le sport, la santé en général, fait partie effectivement de nos préoccupations. Je voudrais saluer aussi le résultat parce que ça fait partie aussi du sport, la bonne alimentation. Mais on a reçu un label il y a quelques jours, un label rarissime dans les collectivités territoriales, puisque c'est un label EcoCert, mention excellence, qui atteste effectivement de la qualité des repas qu'on donne aux enfants. Parce que ça aussi, ça fait partie du bagage, on va dire. Merci, merci. Je remercie d'ailleurs mon adjoint qui est là-bas, qui se cache, qui s'appelle Jackie Bonnet, et qui est un artisan avec les équipes, bien sûr, pour l'obtention de ce label. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus loquace. J'ai déjà certainement beaucoup trop parlé. C'est mon défaut. Moi, je remercie d'abord Groupama. Merci, Monsieur le Directeur. Merci, Monsieur le Président. J'ai demandé à David de me remplacer pour ne pas oublier, pour oublier personne, parce qu'à chaque fois qu'on commence sans note à remercier, on en oublie un. Donc, je voulais d'abord le principal partenaire. Je voulais quand même vous remercier et qu'on vous applaudisse. Merci beaucoup. À Groupama. Et sur ce, je vais passer la parole à David pour les remerciements. Et après, on passe la parole au directeur de Groupama. Ah, monsieur Jérôme, c'est bon comme ça? Ouais. Ça vous va? Donc effectivement, ce projet, cette conférence Sport Santé, a eu la genèse il y a plus d'un an déjà, au sortir du Covid. On avait vécu une période de confinement, d'isolement, et en sortant, mairie, office municipal du sport avec monsieur Jean-Pierre Carabini et Marion Grégis, on avait l'idée de faire quelque chose autour du sport santé. Très rapidement, on a senti qu'il y avait la même envie du côté de Groupama Centre-Atlantique, et on s'est fortement rapproché et on a travaillé pendant plus d'un an et demi pour créer
cette journée qui devait être une journée, en fait, qui aurait dû avoir lieu en octobre, avec une première partie l'après-midi, avec des animations sur le thème du handicap réalisées par les étudiants STAPS. Et le soir, il y avait cette conférence sport-santé. Donc, le Covid nous a encore dérangé un petit peu et on a décidé de reporter la deuxième partie. Et je suis ravi de voir tout ce monde présent, de voir ces intervenants de qualité qui vont nous succéder sur l'estrade. Et en tout cas, un grand merci donc à Groupama, alors à Alice Boireau, qui est d'une main maître animée. Oui, elle est là. Merci Alice. Merci Stéphane Torcé également. Didier Destré. Voilà, il est là, pardon Didier. Et bien sûr Jérôme Château, pour tout ce travail, quoi. Bravo. Un vrai partenariat. Ben écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir dans ces conditions ce soir pour être à vos côtés sur cette conférence qui finalement apporte deux sujets qui nous tiennent énormément à cœur à Groupama, mais en particulier à Groupama Centre-Atlantique. La santé, tout d'abord, et puis bien évidemment le sport. La santé parce que nous sommes le premier assureur en santé individuelle en France, en collective, mais aussi parce que on peut avoir une action très préventive grâce au sport, et notamment en matière de lutte contre la sédentarité et en matière d'activité physique. Et pour nous, Groupama Centre-Atlantique, c'est des actions dans lesquelles nous nous engageons régulièrement. Alors, vous parlez brièvement de Groupama Centre-Atlantique parce que c'est une introduction, donc je vais faire court, parce que sinon je vais me faire engueuler par Alice. Stéphane déjà m'a demandé de le faire à sa place, donc je vais le faire. Stéphane, merci. Donc, juste vous dire que nous sommes extrêmement présents sur notre territoire à travers plus de 186 agences sur 10 départements. Et donc moi, j'ai la responsabilité des départements de la Charente, de la Haute-Vienne et de la Dordogne, aussi de l'ensemble des centres de relations de la caisse régionale. Et donc, c'est vraiment un honneur d'être parmi vous. Et en plus, je suis un passionné de sport. Donc, je suis vraiment très heureux d'être à vos côtés. Bien évidemment, mais je laisserai le président Détré adresser l'ensemble des remerciements et notamment des intervenants à qui on va très, très vite céder la parole. Voilà, parce qu'ils vont animer cette conférence de haut vol à n'en pas douter, bien évidemment. Vous dire qu'aujourd'hui, dans le sport, on reconnaît bien évidemment l'ADN et les valeurs de Groupama à travers la solidarité, la combativité, la pugnacité et la résilience. On le fait à travers, on l'évoquait tout à l'heure, un certain nombre de partenariats, que ce soit Groupama FDJ, Franck Hamas, pour les plus connus, mais aussi en local, avec ton maillot, ton club. Vous avez pu voir les maillots et les clubs que nous accompagnons sur chacun de nos départements tous les ans. Mais c'est aussi à travers ce type d'actions de prévention qui sont faites pour vous informer, essayer de donner un maximum d'informations utiles dans votre vie au quotidien pour vous permettre finalement de mieux appréhender les risques que l'on peut rencontrer, notamment en matière de santé. Donc c'est bien là que nous souhaitons œuvrer. Nous avons très prochainement une marche solidaire, d'ailleurs le 22 à Mareuil. Et donc venez nombreux puisque c'est une marche qui est dédiée à la lutte contre les maladies rares et l'ensemble des fonds sont reversés à la recherche. Donc on compte bien évidemment sur vous. Puisque grâce à l'engagement de Groupama, on a réussi à trouver un remède, mais Alice, peut-être que tu en parleras ultérieurement, pour lutter contre les cancers sur les jeunes enfants, et je trouve que c'est cela, bien évidemment. Et puis, nous avons beaucoup d'actions sur la prévention, et notamment avec une puisque c'est ô combien important de nous former sur les plus d'un million de personnes, et ça ne pourrait se faire sans nos élus, qui ont tout de suite œuvrer pour pouvoir contribuer financièrement au fait de dispenser ce type de formation. Et puis, Groupama, sans ses élus, ce ne serait pas grand-chose, mais sans ses collaborateurs, ce ne serait également pas grand-chose. Et donc, je tiens à leur rendre hommage. Je suis très, très fier de l'équipe que j'ai sur ce département. Donc, bravo à l'ensemble des collaborateurs qui sont ici présents, mais aussi leurs managers, bien évidemment. Je ne serai pas plus long. Je tiens juste à vous féliciter, parce que moi, je n'ai pas suivi les travaux, un peu de loin, puisque j'étais à l'ouvrage de quelques colloques précédents sur des thèmes un peu identiques. Et donc, Stéphane m'a consulté comme Alice. Mais je n'ai pas vu vos travaux. Et en tout cas, je vous félicite à la fois pour la solidarité dont vous avez fait preuve, la complicité, la co-construction, et puis pour nous avoir rassemblés ce soir. Donc, un grand merci à chacune des parties prenantes. Je vous souhaite une excellente soirée. Passez un très bon moment. Merci.
Alors, bonsoir à tous. Et donc, c'est effectivement le lancement de cette table ronde, de cette conférence, peu importe le titre. Alors, vous l'avez déjà entendu, il y a donc des sportifs avec nous, ils ont déjà été annoncés, vous le savez, donc Fabrice Landreau, bien sûr, et puis Julie Pierret, donc avec leurs expériences. Et puis avec nous également deux médecins du sport ou orientés sport, Jean-Claude Placereau et puis Jean-Pierre Blacard. Donc déjà, merci à tous les quatre d'être là pour partager justement et interagir autour de ce thème. Donc, le sport est-il essentiel à la santé ? Un thème qu'on va décliner à travers cette table ronde, à travers les grands âges de la vie, quatre étapes, on va dire, dans la vie. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et puis le temps senior, on va l'appeler comme ça. Et on va tout de suite, bien sûr, se lancer avec cette première étape de l'enfance pour cette table ronde. Alors, on va peut-être... Alors, donc, effectivement, le sport pendant l'enfance, mais avant tout, on va peut-être poser un peu les bases et les différentes approches que l'on peut avoir et que vous pouvez avoir, bien sûr, tous les quatre, à travers cette définition du sport. Parce que quand on dit sport, qu'est-ce qu'on met derrière, finalement, ce mot ? Est-ce que c'est simplement une activité physique ? Est-ce que c'est le sport vraiment de compétition ? Le sport comme dépassement de soi, des autres ? En fait, les motivations et puis la lecture, finalement, qu'on peut avoir du mot sport, elle est très, très variée. Alors, on va peut-être commencer par nos sportifs. Justement, quand on parle de sport, et le sport est-il essentiel à la santé ? Fabrice Landreau, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot sport, vous qui avez été un joueur de haut niveau, qui êtes un entraîneur toujours aujourd'hui ? Comment vous le voyez, ce mot de sport ? Il n'est pas allumé. Il faut l'allumer, Jean-Claude. La première déclinaison, c'est ce que vous avez dit. La première chose, c'était d'abord une dépense physique énergétique, hein, pour le bien-être surtout. Le plaisir, c'est une notion importante. Et puis après, le sport, c'est plutôt un lien social. Voilà, un lien qui nous relie les uns les autres, qu'on peut partager. Et peu importe l'âge, l'important, c'est de pouvoir partager ça et puis de pouvoir aussi avoir un bien-être, une sensation de bien-être à travers une activité physique, qu'elle soit intense ou pas. Voilà, moi, c'est ma conception du sport. Et qu'elle soit individuelle ou collective ? Vous parlez de lien social ? Oui, parce que même si on... Alors, je prends un exemple tout simple. Lorsqu'on fait de la marche en forêt, on voit aujourd'hui beaucoup de groupes de marcheurs. Et ben, lorsqu'on se côtoie, qu'on se rencontre, on partage la même activité, ben, c'est plus simple de pouvoir se rallier. On est souvent sur les mêmes compétitions, les mêmes randonnées. Donc, il y a forcément un partage, un lien social qui est indispensable et dont on a extrêmement besoin aujourd'hui. D'autant plus donc après cette période de crise sanitaire et voilà, c'est décuplé. J'en parle même pas parce que ça a été un manque incroyable. Alors Julie Pierret, pour vous, effectivement, cette définition, cette approche du sport, qu'est-ce que vous mettez derrière cette dimension de sport ? C'est vrai que moi aussi, je me rapproche beaucoup de cette définition avec le lien social. Il y a la dépense physique qui aide aussi à la santé mentale, mais aussi les liens qu'on crée avec les gens, en fait, c'est... Pour moi, le sport, c'est formateur, en fait. Le lien qu'on peut créer, que ce soit avec nos entraîneurs, nos partenaires, nos coéquipiers, ça nous permet de grandir et de se sentir bien, que ce soit physiquement, parce qu'on a eu cette dépense qui fait que dans notre corps, on est mieux, mais aussi le fait qu'on est un groupe qui avance ensemble. Et pour la santé mentale, je pense que c'est important. Donc, corps et esprit derrière cette dimension de sport hein, pour tous les deux, et puis ce lien, cette dimension de partage. Et nos deux médecins, qu'en pensez-vous, Jean-Pierre Blacard, sur cette approche de sport, cette définition du sport et de ce que le sport peut apporter ? Il est allumé, oui, ça marche. Oui. Alors, moi, je vais être un petit peu plus médical ou scientifique. Je voudrais faire simplement un petit rappel sur ce qu'est l'activité physique et quelle est la part du sport dans l'activité physique. Alors, l'activité physique, c'est la mise en mouvement avec une mobilisation donc du système neuro-locomoteur, système muscle, articulation, os, entraînant une dépense. Et le sport, c'est qu'une partie de l'activité physique. C'est-à-dire que l'activité physique, on a qui fait la substance du sport. Et là, donc, je me rapproche effectivement des témoignages de nos sportifs. C'est qu'effectivement, si on parle de sport, en plus de cette
de ce mouvement, de cette mobilisation, de cette dépense énergétique, vient se rajouter effectivement une dimension mentale, une dimension sociale. Et là, il faut donc revenir à la question fondamentale, qui est donc le sport est-il essentiel à la santé ? C'est que quelle est la définition de la santé ? Et alors, quelle est-elle, selon vous, la définition de la santé ? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui dit que la santé, c'est un bien-être physique, mental, social, en dehors de toute affection pathologique ou handicap. Donc, on reprend bien dans la définition de la santé ces trois parties, physique, mental, social. L'activité physique simple, qui est l'activité physique telle qu'elle était autrefois, puisque j'allais dire jusqu'au milieu du XXe siècle, les gens n'avaient peut-être pas forcément besoin de faire du sport pour avoir de la dépense physique, ne serait-ce que parce que les travaux étaient pénibles au niveau professionnel, ne serait-ce que parce qu'on se déplaçait plus facilement à pied. L'automatisation, la robotisation, la mécanisation, l'évolution des technologies a fait que tout ça un petit peu, c'est considérablement diminué et que le sport est arrivé pour compenser au niveau de l'activité physique. Mais le sport a quelque chose en plus de cette activité physique utile où on ne pensait pas forcément à notre bien-être mental, social, c'est que lui, il va apporter, ou il peut apporter, ou il doit apporter cette dimension mentale, cette dimension sociale de bien-être. Et pour vous, Jean-Claude Plastreau, après cette intervention de Jean-Pierre Blacard, médecin. Alors, il ne me reste pas grand-chose à dire parce qu'ils ont déjà tout dit, ou presque. Moi, j'ai été arrivé avec des petites réflexions qui viendront un peu mettre des pierres dans le mur. Ils ont déjà construit le mur, puis il y a deux, trois petits trous, alors je vais essayer de les prendre. Je considérerais que, c'est que moi qui parle, attention, je ne représente pas l'Académie de médecine ou de sciences, que nous sommes que des animaux. Et historiquement, on était des animaux où il fallait tout faire avec un effort physique. Bon, je rebondis sur ce que tu viens de dire d'une autre façon. Et que finalement, on courait pendant des jours et des semaines après un troupeau d'antilopes pour essayer d'en choper une. Qu'on soulevait tout à la main, je sais pas comment ils ont fait pour les cathédrales, mais ça a dû être extraordinaire, et les pyramides d'Égypte, on n'a toujours pas compris, mais ou pas complètement. Bref, on faisait du sport en permanence. Il avait été calculé, si mes souvenirs sont bons, j'avais lu deux trois trucs comme tout le monde peut lire, que un agriculteur moyen au Moyen Âge faisait 25 km par jour. Qui fait 25 km par jour à pied actuellement ? Même les postiers, et tant mieux pour eux parce qu'ils ne sont pas là pour en baver, ne le font plus. Hein, ils ont des vélos électriques, tant mieux, ils ont moins de problèmes ostéo-articulaires qui les mettent en arrêt de travail ou en maladie professionnelle. Effectivement, tu as parlé des technologies. Je prends le simple exemple de nos textiles, qui sont capables de ne plus nous faire de sudation qui soit désagréable. On a des maisons super équipées, de plus en plus protégées contre le froid, le chaud, climatisées, etc. Et on ne lutte plus. Je suis toujours sidéré, je suis loin du sport, mais j'y reviens. Je suis toujours sidéré à l'automne sur les premières averses fraîches, 10 degrés, 12 degrés, 13 degrés, les gens, ils ont des anoraks. C'est quoi ça ? Si vous faisiez du sport, ne serait-ce que 30 minutes de marche trois fois par semaine, ce qui est le leitmotiv que disent les académies de cardio, de médecine, etc., vous feriez ça, vous auriez le temps de vous habituer à la chute progressive des températures ou la montée progressive des températures. Et les gens ne font plus cette adaptation. Parce que ils ne font plus de sport, c'est-à-dire la quantité d'efforts physiques dont le corps a besoin pour, je retombe sur le sport, le bien-être physique, mental, puisqu'on sait qu'en faisant du sport, ne serait-ce que la promenade en forêt, ça nous provoque des bonnes hormones dans le cerveau et on se sent mieux derrière. Et forcément, si on va faire une balade en forêt en groupe, c'est social, automatiquement.
tiens, au fait, on discute tout en marchant. J'ai besoin de ci, tu as une combine, etc. Eh bien, cet aspect sport accessible à tous, y compris les handicapés, après, on détaille, hein. Eh bien, cet aspect sport, il faut qu'on le remette en avant. Et quand je vois des institutionnels ou des privés qui s'investissent pour faire des soirées comme ça, je me dis qu'il y a de l'espoir de ce côté-là pour le bien-être. Excusez-moi d'avoir été long. Alors, on va aussi parler quand même dans cette première partie des enfants, de l'enfance. Hein, c'est aussi cette entame, on va dire, véritablement de table ronde après avoir posé quelques repères. Alors, justement, pour les enfants, pour les plus jeunes, est-ce qu'il faut poser donc ces repères très rapidement par rapport à cette dimension de sport santé, effectivement, en tout cas pour un équilibre, comme vous l'avez souligné tous les quatre. Et où, finalement? Est-ce que c'est à l'école que ça se passe? Est-ce que c'est dans un club sportif que ça se passe? Est-ce que c'est en famille aussi que ça doit se passer? Comment jouent, finalement, ces différents lieux, ces différents cercles pour les enfants par rapport à ces premiers repères, pour approcher le sport et donc toutes ces dimensions autour du sport? Jean-Pierre Blacard, peut-être, d'abord? Oui, si vous voulez. Alors, bon, l'enfant, donc, c'est... On va vous donner à peu près un ordre d'âge, puisqu'on a estimé qu'on va parler de l'enfance, puis après l'adolescence. Donc, on va mettre l'enfant de 0 à 10 ans, on est à peu près d'accord? Pas mal. Et essentiellement, à partir de 3, 4 ans, 4, 5 ans. Je dirais que pour moi, l'activité physique et la pratique du sport chez le petit, c'est une activité spontanée, naturelle. Nous, on ne fait qu'accompagner. D'où, effectivement, une sensibilisation extrêmement importante au niveau d'abord des parents, hein, éventuellement après, relayé dans le cadre du milieu scolaire, du milieu associatif, si on veut, mais c'est d'abord les parents. C'est d'abord les parents. Alors, je pense que la plupart des parents font les choses à peu près comme il faut. C'est-à-dire que tous, quand les gamins arrivent à 4, 5 ans, ou 5, 6 ans plutôt, parce que souvent les clubs ne les prennent qu'à partir de 5, 6 ans, ils se posent la question à la rentrée scolaire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, l'enfant va à ce moment-là choisir là, une pratique d'activité sportive. Là, je vais faire du foot, faire du rugby, faire du judo. Selon, alors là, il y a quand même, je fais juste une petite parenthèse, ce n'est pas toujours facile de pouvoir choisir son sport selon l'endroit où on est. Il y a quand même une différence entre le milieu rural et le milieu urbain. Mais bon, ceci étant refermé, les enfants, donc, ils vont aller pratiquer du sport. Mais ils vont arriver dans un club. Et là, c'est là où il faut savoir faire ce qui doit être fait. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas obliger les enfants. Il faut leur faire découvrir. Et surtout, la chose la plus importante chez les petits, c'est leur faire aimer. C'est leur faire aimer la pratique du sport. Si vous faites aimer le sport à un petit de 6 à 10 ans, 5 à 10 ans, vous l'avez gagné pour la vie. Et vous n'aurez pas forcément les problèmes dont on reparlera plus tard quand ils auront 60 ans et qu'on leur dira qu'il faudrait peut-être quand même que tu fasses de l'activité physique pour qu'ils disent « Ah ouais, tu crois ?» On les gagne dans la pratique du sport. C'est très important. Donc, je résume, chez un petit, pour moi, hein, bon, après on pourra peut-être échanger, mais pour moi, donc, c'est une activité qui doit être naturelle. Donc, ça veut dire que quand il va dans un club, et à mon avis que ce soit un club de rugby, un club de judo, un club de foot, on fait la même chose. Hein, ce sera simplement avec un petit ballon de rugby, avec un petit ballon de foot, avec un joli kimono. Mais les activités, ça va être des activités de découverte du jeu, de découverte et les faire travailler sur les qualités naturelles, c'est-à-dire la vivacité, chose très importante, la coordination, l'équilibre, la souplesse, le développement des capacités cardio-respiratoires, la musculation, etc. Tout ça, c'est pour plus tard. Il ne faut surtout pas en parler. Si vous tombez sur un éducateur hein, qui commence à faire de la muscu, à faire des tours de terrain et tout, vous changez vite de club, quel qu'il soit. C'est leur faire aimer, hein, donc, et avec un aspect ludique. C'est très, très, très important. J'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Julie Pierret, je vous voyais réagir, effectivement. Est-ce que par rapport à l'expérience que vous avez aussi peut-être
rapport à votre club et par rapport à la pratique du judo, effectivement, et à la façon dont le club, puisque dans les clubs sportifs, les écoles, hein, on va dire, la formation, le début, effectivement, de la pratique est très, très important. Généralement, il y a une grande attention, une grande vigilance là-dessus. Vous en pensez quoi, justement, cette pratique pour les enfants ? Ben, je suis complètement d'accord dans le sens où les enfants, on va être sur on va pas dire des jeux, mais des situations qui vont être beaucoup plus ludiques. Et en fait, on va apporter de la motricité à l'enfant qui va arriver de façon spontanée. Et je pense qu'en fait, l'âge, justement, à partir de 4 ans, c'est important que les enfants ils puissent développer cette motricité qui, derrière, est plus difficile en fait, à acquérir. Une roulade avant, c'est peut-être anodin, mais il y a énormément de gens qui ne savent pas faire une roulade avant. Et en fait, ça s'apprend quand on a 4 ans. Et on chute, on va faire. Je parle pour le judo, c'est le sport que je connais. On va faire une roulade avant et on va éviter de se faire mal. Et il y a plein de petits aspects comme ça de la motricité qui est important à développer, mais toujours en gardant le côté ludique. Si c'est pas ludique, les enfants ils accrocheront pas en fait à l'activité. Donc en fait, je reviens complètement à ce que vous avez dit auparavant. Fabrice Landreau, pour le rugby, effectivement, pour les clubs, pour le club aussi de Cognac-Saint-Jean-d'Angély, effectivement, les écoles, la formation, la prise en charge des plus jeunes, c'est essentiel pour les clubs sportifs ? C'est pas essentiel. Pour ma part, non. De manière générale ? Non. Je sais que comme dans tous les clubs, mais peut-être qu'au club de la Couronne aussi, il y a une section baby rugby. Donc, ça a 4 ans, je crois. 3 ans. Honnêtement, bon. On met baby rugby, mais on sert plus en fait de centre aéré et la découverte. On va travailler justement la motricité, tout ça. Moi, je pense que chez l'enfant, lorsqu'on se remettez-vous avec votre costume d'enfant, qu'est-ce qu'on cherchait ? Le sport, c'était quoi pour un enfant ? D'abord, c'était pas le mot sport, c'était avant tout s'amuser et jouer. Et je pense qu'il faut remettre ça d'abord aujourd'hui pour redonner le goût. Ce qu'on a perdu, c'est ce mot. Quand moi, aujourd'hui, on me dit du baby rugby pour les enfants, mais j'ai peur. Le rugby, c'est codifié. C'est un sport collectif avec un règlement. Est-ce qu'on a besoin d'enseigner ça à nos enfants ? Dès 3 ans, on leur fait mettre ça ? Non, personnellement, ce n'est pas forcément la démarche. Donc, je pense qu'il faut chercher à jouer. Où est-ce qu'on joue aujourd'hui ? On joue surtout dans les cours d'école, mais tout a changé. Il y a tout le mode, tous nos codes à nous qu'on avait à travers les différentes générations. Tout a évolué et changé. Famille monoparentale, un week-end sur deux, l'urbanisation qui a été forte, milieu rural ou les cités, enfin ou la ville, pardon, tout a changé. Ma génération, cours d'école, dès qu'il y avait la récré, on faisait la marelle. Les copines jouaient aux élastiques. Donc c'était déjà une activité physique et marrante. On faisait un ballon prisonnier. On avait la corde à sauter. Les garçons tapaient le ballon au foot ou alors au mur avec la pala. Mais il y avait toute une sorte de jeu qui naturellement développait, comme vous le disiez tout à l'heure, des qualités athlétiques, mais toujours en s'amusant sans le savoir. Il suffit qu'il y ait un morceau de bois pas très loin, un bout de bois de l'autre côté ou quelque chose, un portique, hop, on grimpait, donc ça nous développait d'autres qualités. Donc c'est surtout ça qu'il fallait retrouver. Et le sport en lui-même, ben moi l'école de rugby, je l'ai commencé pas avant l'âge de 8 ans, mais tout ce que j'ai fait auparavant, c'était vraiment du sport et c'était surtout pour m'amuser. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est ce il me semble lorsque je vois moi pour revenir simplement au rugby à notre pratique, lorsque je vois les enfants arriver, alors je parle pas des 3 ans hein. Bon, on commence à les avoir à l'école de rugby à partir de 8 ans, ben on voit tout de suite les manques quoi. Coordination, il y a pas, adresse, il y a pas, habileté, il y a pas, déplacement, il y a pas. Et où sont passés tous ces aspects naturels qu'on développait dans les cours d'école, dans les jardins, même où sont passés tous ces aspects-là ? Ils ont disparu. Ils ont disparu. Je ne peux pas l'expliquer. Enfin, je pense avoir quelques explications, mais il y a forcément un mode de vie qui a été transformé depuis plusieurs années et qui vient aujourd'hui coller ces nouvelles générations, ces enfants. Et il faudrait qu'on arrive à décrocher de ça pour modifier un petit peu les comportements. Et pour ma part, ça passe forcément par l'éducation à l'école. Jean-Claude Plasserot, votre approche, votre regard, effectivement, sur cet amusement, alors qui a été souligné, finalement, passé par le jeu, hein, ça a été souligné par tout le monde, mais peut-être c'est
ce changement, cette évolution effectivement dans les repères de la société qui font que peut-être aujourd'hui, il n'y a plus cette spontanéité qu'il y avait avant dans l'approche sportive qui est juste une activité physique par le jeu. Bon, ils ont tous raison, hein, comme tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et je vais parler sous le contrôle de Jean-Pierre. Moi, je vais vous parler de ma pratique. Vous allez comprendre comment je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Quand j'examine un bébé naissant, on l'a 8 jours à peu près dans notre bureau, voire 1 mois, il faut savoir que l'enfant, naturellement, sait parfaitement faire un brise-chute arrière de judo. Parfait. Il sait parfaitement avancer les jambes. Il pédale tout seul si on le stimule. Quelques rares ne le font pas, mais dans l'immense majorité des bébés naissants de moins d'un mois, on a déjà des aptitudes. Et l'enfant de moins de 2 ans, quand il tombe, se relève en économisant son, je vais dire rachis lombaire, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais en gros, en économisant sa colonne. C'est-à-dire qu'il fait exactement le bon geste pour ne pas se plier en deux et ne pas avoir mal au dos. Il a 2 ans, hein. Il fait 10 kilos, hein. 10, 12 kilos maximum. Il n'a pas besoin d'économiser son dos, c'est tout neuf, hein. Les disques ne sont pas usés, ni rien. Mais il a le parfait geste. Il ne le sait pas, nous on le voit. Et on oublie ça à partir de 2-3 ans. Alors, la marche automatique, c'est dans les 3 premiers mois. Le bridge chute de judo, c'est pareil, c'est oublié aussi dans les 3 à 6 mois, etc. Je ne vais pas vous abreuver avec des connaissances scientifiques médicales, sinon il y a Jean-Pierre qui suit. Mais c'est ces petits détails-là qui vous font prendre du doigt, hein, le fait que spontanément l'enfant est doué. Tous sont tous doués. Et vous les prenez dans nos salles d'attente, quand elles sont en enfilade, ils courent tous, font tous du sport. 2, 3 ans, 18 mois, dès qu'ils commencent à marcher. Ils prennent des trucs, ils essaient de soulever les chaises, soulever les tables, soulever les... Voilà. Ils sont en train de se tester. Et comme disait Fabrice, dans la cour de communale, à 7, 8, 10 ans, à soulever des trucs, monter dans des machins, s'envoyer des ballons. C'est aussi une façon de travailler sportivement, intuitivement, son corps. Et cet enfant, effectivement, moi, je me dis, ils ne sont pas tous la même vitesse. Quand je vois qu'on les met à l'école, c'est mon côté syndical, médical, excusez-moi, qu'on les met à l'école à 2 ans et demi, il faudrait me démontrer que ça soit absolument utile s'il n'est pas prêt dans sa tête. Et comme disait Fabrice, à part faire garderie, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Mais ce n'est pas le problème de la mise en cause de l'éducation nationale que je veux mettre sur le tapis. C'est simplement, j'ai une réflexion là-dessus, tous les enfants sont doués et ils ont tous une vitesse différente pour arriver à avoir, à l'âge de 3, 4, 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Et la deuxième partie, je vais être court, c'est quand ils sont dans un club, particulièrement judo, aïkido, voire foot, rugby, mais je suis à peu près sûr dans les autres clubs, ça doit être pareil, il y a un respect de l'encadrement, respect du petit copain ou de la petite copine qui est à côté. Il tombe, j'essaie de le relever, il s'est fait mal, je signale qu'il y a une douleur. Et puis, lors des... Pardon, c'est sec. Des confrontations avec d'autres équipes, c'est le respect de l'adversaire et de l'encadrement de l'adversaire. Et quand on arrive à acquérir ça et qu'on rentre en CP, 6 ans, environ 7 ans, ça aide beaucoup, on va rebondir puisque tu en as parlé, sur l'entrée à l'école, donc l'enfant autour de 10 ans, et de pouvoir plus peaufiner l'aspect entraînement sportif proprement dit. Voilà ce que je pensais. Maintenant, je n'ai peut-être pas répondu à la bonne question. Jean-Pierre Blacard, vous voulez compléter, rebondir ? Non, je ne veux pas rebondir, je veux rajouter un petit complément. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein, chez l'enfant. Hein, donc, pratique spontanée, hein, on est bien d'accord, hein, naturelle, par le jeu. Ensuite, quand ils sont pris en charge par les clubs, à partir de bon, l'âge, effectivement, on est tous d'accord qu'il ne faut pas les prendre trop tôt. Mais bon, l'évolution de la société fait que, on s'aperçoit que globalement, dans à peu près, quel que soit le sport, si on a un éducateur qui a à peu près été formé, il fera à peu près la même chose partout, c'est-à-dire travailler sur la coordination, la mobilisation, etc.
hein, et que le jeu, la technicité du jeu, ça vient après. On verra quand on passera à l'adolescent. Et il y a une dernière chose que je voudrais dire qui est un petit peu à part, c'est le problème de la visite médicale. La visite médicale, donc quelque chose qui a été, au départ, on faisait une visite médicale aux enfants tous les ans. Et puis, bon, parce que déficit de médecins, parce que voilà, on est passé à une visite tous les 3 ans. Hein, et entre-temps, les parents, ils ont juste à faire un petit papier, hein, comme quoi leur enfant va bien depuis la fois d'avant. C'est toujours la même chose, non ? Hein, voilà. Moi, j'ai un avis qui est un petit peu plus tranché, parce que ma pratique pendant 40 ans de médecine générale et de médecine du sport a montré souvent le contraire. Hein, je crois qu'il est important que les enfants aient d'abord effectivement une visite médicale quand ils vont commencer à pratiquer dans un club, mais ça, c'est autant pour que le club se couvre. Hein, mais il est très important surtout que les enfants aient un suivi. Alors, qu'on inclut la visite médicale dedans, je crois qu'il est très important, si je peux donner un conseil aux parents, c'est une fois par an d'aller voir le médecin en dehors de toute maladie. Hein, pas « Docteur, le petit, là, il a mal à la gorge, je vais voir. Ah tiens, au propos, il y a la licence de sport. » C'est faire une visite complète, parce qu'on détecte des tas de choses qui, si on les prend quand ils sont petits, se corrigent très bien. Je parle simplement de choses tout à fait banales, comme les affaissements de voûte plantaire, qu'on appelle aussi les pieds plats. Hein, je parle des problèmes de colonne vertébrale, hein, d'attitudes scoliotiques qui peuvent évoluer sur des scolioses, des problèmes d'yeux, hein, moi, des myopies évolutives. Il y a un minimum de choses. Et si vous emmenez votre enfant une fois par an faire cette visite médicale pour faire du sport, en même temps, on va détecter des choses. Et je vous assure qu'on en détecte, tu es d'accord avec moi ? Hein ? Donc, en dehors de toute maladie, une fois par an, et à ce moment-là, vous en profitez pour faire signer le certificat. Je crois qu'il est important de voir le médecin. Alors, on va continuer cette table ronde et passer à la deuxième partie. On va passer à l'adolescence, suite logique. Hein. Alors, vous avez posé les repères par rapport effectivement à ce lien avec le sport pour les enfants, donc à travers notamment l'amusement, le jeu, effectivement. Et puis ensuite, effectivement, vient la période de l'adolescence. Alors là, ce lien avec le sport et puis la pratique évolue, évidemment. Là, on peut passer vraiment au rugby en tant que tel, hein, véritablement. Notamment l'apprentissage du rugby et puis des autres sports. Comment on maintient ce lien justement à l'adolescence ? Alors, il y a aussi le phénomène de changement du corps qui change beaucoup au moment de l'adolescence. Comment ça intervient ? Et comment on maintient les repères qui ont pu être posés ? Ou alors comment on développe aussi de nouveaux repères pour l'enfant entre ce lien qu'il peut avoir avec le sport ? Comment on continue à l'accompagner justement pour que le sport ait une place et donc effectivement par rapport à cette dimension de santé aussi avec ces trois piliers dont vous évoquiez, dont vous parliez tout à l'heure, Fabrice Andreau. L'adolescence est toujours un moment charnière par rapport à la pratique du sport. Donc là, je parle sport, club et tout ça. Toujours un moment charnière parce que l'enfant évolue. Au départ, c'était un jeu. Là, ça devient toujours un jeu, mais avec un esprit plus compétition, avec un sport, si je parle de ma pratique, mais je pense que judo, c'est pareil, et dans d'autres disciplines, qui est codifié. Donc, c'est bien, ça nous oblige justement à avoir un certain respect, une certaine discipline, une certaine rigueur, et donc un engagement personnel dans le développement de la pratique pour pouvoir être, si c'est un sport collectif, en adéquation avec ses copains, avec ses entraîneurs, suivre la conduite du coach et tout ça. Et bien sûr, en développant les activités, les besoins physiques. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a, si on revient sur le sport et santé, il y a tout ce qui se passe à l'adolescence aujourd'hui. Donc, voir des enfants spontanément galoper, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit évident. Donc là encore, moi, j'en reviens toujours au phénomène éducatif. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser ces adolescents qui aujourd'hui sont de plus en plus sédentaires et bloqués sur les écrans, dans leur salon, pas de leur faute particulièrement, tout dépend de l'environnement dans lequel on évolue, si on est citadin ou si on est plutôt milieu rural. Tout dépend également de la cellule familiale,
Est-ce qu'on est proactif ou plutôt, bon, ben, c'est pas forcément notre truc, donc t'as qu'à faire ce que tu veux. Est-ce qu'il y a une motivation à l'intérieur de la famille? Ce sont des ados. Ils ont besoin d'être encadrés. Donc, il faut leur donner une inspiration, leur montrer une voie. Après, c'est à eux de décider, bien sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le seul endroit où on est capable aujourd'hui de donner ces différentes inspirations et de montrer en tout cas la voie, de les sensibiliser sur d'abord la santé, parce que le sport, c'est avant tout la santé, vous l'avez très bien décrit, et après, pourquoi pas sur une pratique plus ou moins importante sur la pratique d'un sport collectif, individuel, enfin bon, peu importe, mais ça se passe à l'école. Ça se passe à l'école. Et aujourd'hui, il y a des enseignants justement dans l'école. Et lorsque je vois ce qui se passe le matin dans les collèges, dans les lycées, pour ma fille qui est en école primaire, des fois, je suis inquiet, quoi. Je suis inquiet. Voilà, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce socle qui était extrêmement important de l'éducation nationale, eh bien, n'a pas été bafoué parce que le sport existe toujours, mais est devenu différent et peut-être moins important, alors que c'est un socle qui devrait être beaucoup plus développé et c'est vital. C'est vital pour plein de choses, pour la santé future, pour le développement et l'épanouissement des adolescents, que ce soit physique, psychologique, le savoir-être et le bien-être. Donc c'est là aujourd'hui où je m'interroge et je me dis, j'ai eu la chance, moi, ma génération, d'avoir du sport à outrance à l'école. Et si j'ai pu continuer la pratique, c'est bien sûr grâce à mes parents qui m'ont poussé dans cette voie-là, parce qu'ils nous ont incités, nous ont encouragés, nous ont motivés, même quand ça n'allait pas. Les copains également qui étaient avec nous, qui nous motivaient. Et puis le fait d'avoir fait toute multiple activité à l'école. Heureusement qu'on a eu ce panel. Alors, j'ai pas fait de judo. J'ai fait de la lutte, mais pas de judo. Mais la gymnastique, ça a été le premier sport qu'on a pratiqué à l'école. Donc, on a pu avoir tout cet éventail. Et finalement, c'était très, très complémentaire. On faisait la course à pied, enfin ça n'existe plus maintenant. J'ai appris dernièrement qu'on vient de perdre une minute pour les adolescents au lycée au kilomètre. Une minute, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on ne court plus, qu'on ne sait plus courir. Mais ça, c'est encore une fois la transformation de notre société qui a fait que l'activité physique et sportive, ce n'est plus du tout d'actualité, ou moins. Alors, Jean-Pierre Blacard, est-ce qu'on peut simplement subir effectivement cette évolution de la société, se dire c'est comme ça, ou est-ce qu'on peut justement agir malgré effectivement le fait que la société ait changé, que le sport peut-être n'ait plus la place qu'il avait, et puis cette dimension de sport et santé qui était associée? Alors, en théorie, oui. Vous savez que il y a quelques années, le ministère des Sports dépendait du ministère de la Santé. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a développé ce fameux concept de sport-santé, dont on peut discuter éventuellement, on discutera peut-être tout à l'heure quand on abordera la question chez les seniors. Maintenant, c'est sous la tutelle du ministère de l'Éducation. Donc, on peut fonder de grands espoirs, déçus ou pas. En ce qui concerne l'adolescent, autrement, Fabrice, il a repris tous les mots-clés sur ce que doit être le sport chez l'adolescent, les différentes problématiques. Il y a effectivement, le corps change. Il faut accompagner ce changement. On va dire qu'il y a, alors en technique pure, effectivement, donc on va arriver à cet âge-là donc à développer la pratique spécifique du sport, en dehors de, simplement de cultiver les qualités naturelles. Donc on va pouvoir s'attaquer également à développer les aptitudes cardio-respiratoires, on va pouvoir s'attaquer à la musculation. Une fois que la puberté est passée, et que la croissance est terminée. Ne jamais commencer. Tu es d'accord avec moi, Jean-Claude? Ne jamais commencer. Donc, le passage de l'adolescence, ça va être une modification, effectivement, de la pratique. Ne pas oublier toujours de faire aimer ça. Gros avantage dans notre monde, effectivement, où les adolescents se retrouvent confinés chez eux avec des tablettes, c'est que le sport va permettre le lien social. Ça, c'est important. On va se retrouver avec les copains ou les copines à pratiquer une activité et à s'amuser. C'est quand même une chose très importante. Et je voudrais quand même rajouter deux petites choses dans la pratique du sport chez l'adolescent. C'est la désaffection de la pratique du sport. Ça, c'est un constat qu'on a fait, en particulier au niveau du comité départemental olympique et sportif, dans le cadre d'une enquête qu'on avait fait dans le cadre du forum CARA.
On avait mené une enquête sur la pratique. Donc, on avait des enfants de 4e et 3e et quelques-uns de seconde. Et on leur avait fourni un questionnaire. Donc, et on a une désaffection importante, relativement importante, de la pratique à cet âge-là. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années en arrière. Ça, je ne peux pas répondre à ça. Je ne suis pas sûr que ce n'était pas déjà le cas. C'est un constat qu'on fait là, un temps T. Est-ce que dans un temps témoin, je ne suis pas sûr. L'idée, c'est de se dire pourquoi. Alors, il y a des réponses toutes faites, et puis il y a des réponses qu'on peut imaginer. Bon, la réponse. Alors, on leur demandait quand même. Hein, alors, la plupart du temps, c'est souvent des filles, ce qui est un peu logique, puisqu'effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a la transformation du corps, l'image du corps. Hein, et jusqu'à 10, 11 ans, 12 ans, la mixité dans la pratique ne pose pas de problème. À un certain moment, hein, on se transforme, et là, c'est plus tout à fait la même chose. Et. Donc Julie pourra peut-être le confirmer d'ailleurs. Mais effectivement, on a un arrêt de la pratique souvent pour des choses comme ça, qui sont mal gérées. On peut avoir aussi un arrêt de la pratique, là cette fois, qui est plus sur des contingences matérielles pratiques, c'est-à-dire que les enfants, ils rentrent au collège, ils rentrent, c'est surtout au moment où ils rentrent au lycée que se trouve le problème, parce que le lycée est loin, il y a les transports, on passe beaucoup de temps, et il y a une absence de temps pour pratiquer une activité. D'où, effectivement, pourquoi ça ne se fait pas dans le cadre de l'école. Ça, c'est encore une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Les déplacements, hein, aussi, hein, quand on est en particulier en milieu rural, c'est très compliqué. Vous rentrez du lycée, il est 19h, 20h, vous n'avez pas de club à votre disposition, surtout quand on grandit, on a de moins en moins de clubs adaptés à la pratique qu'on veut faire. Et là, donc, il y a une chute importante des effectifs. Ça, on peut l'affirmer. Donc, moi, je pose la problématique. Les clés, je ne les ai pas. Ça, c'est la première question, le premier frein. Puis, j'ai un deuxième frein, puis après, je me tais. J'ai un deuxième frein qu'on va commencer à rencontrer à cet âge-là, et moi, qui m'ennuie beaucoup, c'est ce qu'on appelle les conduites prédopantes ou dopantes. On va être confronté, donc, chez l'adolescent, à l'arrivée de conduites prédopantes ou dopantes. J'ai été là, dans le cadre de l'enquête qu'on a fait, on a posé également la question, le nombre de gamins de 14-15 ans qui prennent des compléments alimentaires, c'est ahurissant. Ahurissant. Moi, j'ai jamais pris de compléments alimentaires. Hein, jamais pris un petit whisky de temps en temps. Mais voilà, hein, ou du Ricard. Hein, mais je veux dire, les compléments alimentaires, c'est ahurissant à cet âge-là. Alors, est-ce que c'est un phénomène de société par l'évolution des habitudes alimentaires avec bon, le véganisme, etc., etc. Mais c'est aussi parce qu'on a l'impression qu'on va devenir musclé. On en revient toujours à l'image du corps. Et une deuxième chose qui également est beaucoup plus fréquente là aussi que je ne le pensais, y compris en milieu rural, c'est la consommation de drogue, en particulier de cannabis. Ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Je crois que j'ai terminé. Hein, c'est un petit peu désespérant. Mais chez l'adolescent, en résumé, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, Julie Pierret, peut-être, effectivement, par rapport à ce que vient d'évoquer Jean-Pierre Blacard, ce constat, cette situation, cette désaffection chez les adolescents, 14-15 ans, surtout chez les filles, effectivement, est-ce que ça, vous l'avez constaté, vous l'avez vu vous-même à cet âge-là par rapport à d'autres aussi dans la pratique? Alors, moi, c'est sur l'adolescence, c'est vrai que la désaffection du sport, elle est très présente. Je suis prof de PS, donc pour... Désolée, du coup. Vous allez pouvoir aussi, peut-être, justement, expliquer cette approche aujourd'hui du sport dans l'éducation nationale. Mais peut-être revenez... Il y a une désaffection, il y a une sédentarité qui est très importante. Dans les classes de 6e, quand ils arrivent, il y en a énormément qui ne pratiquent aucune activité en dehors de l'école. Par rapport à ce que vous dites sur l'école... c'est pas vrai, il y a du demi-fond. On fait de l'athlétisme. Enfin, en tout cas, moi, j'en fais. Mais on a 4 heures. Sur des 6e, on a 4 heures par semaine. Sachant que, alors moi, je suis en région parisienne, sachant qu'on a une demi-heure de transport aller, une demi-heure de transport retour, qu'on n'a pas forcément de gymnase à notre, pour faire les activités. Dans les gymnases, ils sont pas aménagés avec tout le matériel possible. Donc, on peut pas faire toutes les activités. Ne serait-ce que des ballons. Des fois, on n'a pas de ballon. On est dans un gymnase. Donc, on fait au mieux, on bricole.
passé la cinquième, on a 3 heures. Au lycée, on a 2 heures. Donc, en fait, avec les transports, avec multiples contraintes, on arrive en fait à avoir 1 heure effective. Si on est bon, je pense qu'on a 1 heure sur 2, mais on fait au mieux. On fait au mieux avec ce qu'on a. Et en fait, les jeunes, ils préfèrent. Alors, il y a d'autres activités qui sont proposées. Nous, je sais qu'on est un collège qui propose énormément d'activités, mais en fait, les enfants préfèrent aller jouer aux jeux vidéo sur toutes les consoles possibles que de venir faire du sport, parce que c'est plus facile en fait. Enfin, c'est moins difficile d'être en train de jouer en ligne avec son copain parce qu'on a le lien social. On est chez soi et on joue. Après, ils sont pas tous comme ça, mais il y a une grosse partie de la sédentarité qui, je pense, s'explique notamment par les écrans. Le confinement, ça a été un désastre, sincèrement, c'est le mot, parce qu'en fait, alors déjà, l'adolescence, les enfants, enfin les adolescents, ils se sentent pas bien dans leur corps. On a beaucoup de travail à faire avec eux. Quand je dis on, c'est leur entourage, pour leur faire accepter le corps. S'ils acceptent pas leur corps, ils s'engagent pas énormément dans la pratique, notamment la natation. Combien d'élèves, d'enfants ne savent pas nager? Parce qu'en fait, aller à la piscine, c'est se mettre en maillot de bain. Et c'est accepter son corps par rapport au regard des autres. Donc il y a énormément de facteurs en fait qui créent cette sédentarité. Et au final, j'ai pas non plus les solutions en fait pour les rattacher au sport. Mais je pense que déjà faire des trucs, des activités qui sont un peu ludiques, leur faire apprécier le sport, quitte à trouver des solutions. Faut vraiment se creuser les méninges, hein, notamment chez les filles. C'est vrai qu'il y a un gros écart entre les garçons et les filles sur la pratique physique. Et après, bah, je pense que c'est en mettant plein d'actions en place, c'est en valorisant le sport et en valorisant l'adolescent par rapport au sport et le lien social qu'on peut essayer d'avoir une voie pour avancer. Mais c'est compliqué. À l'heure actuelle, c'est compliqué. Et les moyens ne sont pas mis en place non plus. Jean-Claude Placeroux, un mot effectivement là sur ce constat, cette réalité, les conditions effectivement qui ne sont pas toujours là. Et puis en même temps, c'est un cercle vicieux, puisque moins on fait d'activité physique, moins on a un rapport facile avec son corps, puisqu'on est sujet peut-être plus à grossir par exemple, en tout cas avoir une image un peu dégradée de son physique par exemple. Donc comment on fait? Parce qu'effectivement là, ça, c'est compliqué de sortir de tout ça, entre guillemets, de ce cercle vicieux. Moi, je voudrais la féliciter parce qu'elle croit à ce qu'elle fait et elle a parfaitement raison. C'est d'une sincérité débordante. Juste pour vous dire, quand j'étais en terminale il y a 40 ans, j'avais 5 heures de sport. Elle a dit 2, là. 2, à partir de la seconde. J'avais 2 fois 2 heures à clé, handball, peu importe, gymnase, et 1 heure de piscine systématique. Parce qu'au bac, on passait la natation, la course, le machin, le truc. On avait 5 heures de sport. Donc, leurs autorités, depuis 40 ans, ont réduit. On rogne. Et à la fin, il ne reste plus rien. On ne peut pas... Je me mets à la place, en particulier d'une fille de 14 ou 15 ans, comment s'investir sur un truc où c'est juste on va subir 2 heures comme ça, dans un coin. Nous, on est hyper sollicités pour les certificats médicaux de dispense de natation de l'année, par exemple, ou de sport de l'année. Ah oui, mais j'ai un peu mal au genou. Grâce au sport, tu vas peut-être réguler ton syndrome rotulien et tu vas peut-être pouvoir ne plus avoir de problème de joue. 80% des filles de 15 ans ont un syndrome rotulien. 80%. Donc, celle qui a pas mal au genou, c'est la rareté. Ça, c'est mes premières réflexions. Je ne suis pas tout à fait dans la question, je suis désolé. Il y a un deuxième truc, un témoignage que je voudrais vous faire. Il y a une quinzaine d'années, on avait une jeune fille à Saint-Jean-d'Angély qui était la seule fille de l'équipe qui, jusqu'à l'âge de 13 ans, a pu jouer avec les garçons parce qu'à partir de 14, il faut qu'elle aille dans une section féminine. Et ben, Saint-Jean-d'Angély, une section féminine, il n'y en avait pas. Il aurait fallu qu'elle aille avoir un appartement, être émancipée, aller à La Rochelle. À l'époque, les Pockets ne faisaient pas partie du Stade Rochelet, ou aller dans un autre club. Finalement, elle a fait
l'impasse jusqu'au bac. Elle a eu son bac et elle a pu aller jouer à Rennes, où elle est devenue internationale française à 7. Quelques années pendant ses études, elle a joué donc en top 10 avec Bobigny après, puisqu'elle a fini ses études à Bobigny. Elle est actuellement prof de PS. Elle est à Mayotte. Elle a fondé un club de rugby à Mayotte. Et pour la première année, ils sont champions de l'océan Indien. Ils ont battu tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'une fille dans le sport à partir de 14 ans, c'est une catastrophe. À moins d'habiter un grand centre, Angoulême par exemple, on est sûr de trouver une équipe de quelque chose qui ressemble à quelque chose. Nous, dans les petites sous-préfectures, on a juste le water polo. Hein. C'est tout, où il y a une section féminine. Le judo, bien sûr, mais c'est à peu près tout. Tout le reste, l'athlé aussi, parce que c'est un sport individuel, ça, c'est pas trop un problème. Mais tout le reste, il faut aller loin. Ça coûte des sous quand on est des ruraux, tu en as parlé tout à l'heure. C'est un peu compliqué. Donc, je rebondis sur le fait que pour motiver les filles, et puis effectivement, il y a le changement de société, où maintenant, si on n'a pas fait 10 heures d'écran dans la journée, on n'est pas content. C'est une vraie catastrophe. Nous, on enregistre des apnées du sommeil hein, chez les gamins. C'est une nouvelle notion. On pensait que c'était que les vieux grassouillés comme moi, qui respiraient fort et qui ronflaient. Non, on a des gens de 12 ans, 13 ans, 14 ans, à cause des problèmes d'écran, parce qu'ils font leurs trucs sociaux tous les soirs jusqu'à minuit, 2h du matin. De la consommation, quand c'est que du tabac, ça va encore, même si je suis contre, etc. Et on enregistre. Pourquoi il est fatigué le lendemain matin? Eh bien, parce qu'il fait des apnées du sommeil, parce que le sommeil est complètement haché menu et ça n'aboutit à rien. Troisième petite notion, il a toujours été démontré, ça c'est les grandes études américaines, que à l'école, quel que soit le niveau, hein, on peut dire à partir de CP jusqu'à l'université, plus on a d'activités en dehors du milieu scolaire, plus on est bon à l'école. Et le réflexe que les gens ont, en particulier les parents, sur pression des professeurs ou sur pression entre eux, c'est « Ah, tu n'as pas de bonne machine, donc tu vas faire l'impasse du sport et j'y inclurai la culture ou de la musique, par exemple. » Ou des arts plastiques, hein, mais sport et musique, hein, déjà on a 95% des gamins, et on va diminuer tout ça, et tu vas te concentrer sur maths, physique, français, langue, etc. Et c'est totalement contre-productif. Donc effectivement, quand j'écoute mes parents qui me disent « Fais un peu l'impasse sur le sport, surtout l'hiver, là, il fait froid, etc. Concentre-toi sur tes cours, finalement les notes ne sont pas meilleures », alors que moi, j'adore courir après un ballon ou mettre un kimono ou lancer un javelot. Et puis, en plus, faire des gammes au piano, il y a quelque chose d'hérétique sous-jacent. Parce que quand on est bon dans un domaine, ça nous pousse à être bon dans tous les domaines. On a cet esprit un peu compétiteur. Je suis bon dans mes gammes de piano par rapport aux petits copains, ou je suis bon dans ma peinture, ou je suis bon dans ma sculpture. J'en sais rien, j'invente. Hein. Et à côté de ça, ben, peut-être qu'à l'école, ça va me pousser un peu à faire mieux dans certains domaines, parce que je sais que je peux être bon quelque part, donc je peux être bon partout. Et il y a cet aspect-là. Alors, je ne sais pas si je corresponds à la question que tu as posée, que j'ai complètement oubliée dans le tas. Tout le monde l'a oublié. Je voulais rebondir sur les différents, comme je vous ai dit, les petites rouges, mais ma petite brique là-dedans. Donc, tout ce qui a été dit précédemment sur ces petites anecdotes qui sont le reflet de pourquoi on est là ce soir. Mais on a juste un complément, parce que juste un complément, il y a l'attitude punitive des parents aussi qui n'arrange rien. Donc, on revient toujours à la même chose, l'implication des parents, c'est extrêmement important, et la sensibilisation des parents. Et quand des parents, et Dieu sait si c'est fréquent, et Dieu sait si je l'ai vu, hein, qui disent « tes notes ne sont pas bonnes, donc tu n'iras pas jouer samedi », hein, donc, on punit l'enfant, on punit l'équipe, hein, et je ne suis pas certain qu'à l'arrivée, ce soit mieux. On ferait mieux de lui dire, tu vas être privé de jeux vidéo, tu ne vas pas regarder la télé pendant 24 heures, ce serait beaucoup mieux. Non, tu n'iras pas faire du foot, hein, tu n'iras pas faire du rugby, tu n'iras pas faire du judo, tu n'iras pas faire
l'athlétisme ou du hand ou je ne sais quoi. Ça, c'est, et ça, c'est tous les samedis. Hein. Tous les samedis, on a ça. Hein. S'il suffit de s'occuper un petit peu d'une école de foot, je peux vous assurer qu'il faut jongler pour avoir l'effectif quand on est un peu juste parce que les enfants sont punis. Voilà, c'est juste une question. Alors, on va continuer cette table ronde avec la troisième partie. Alors, quand on est adulte, c'est vrai que c'est aussi très, très compliqué. On est pris entre plein de priorités différentes. Évidemment, la vie professionnelle ou les études, la vie de famille, quand elle commence aussi, la vie avec le conjoint, avec les enfants. Quand on n'a pas pratiqué de sport depuis longtemps, est-ce qu'on peut recréer un lien ? Est-ce qu'il est toujours temps, finalement, de recréer aussi un lien avec le sport et donc avec la santé ? C'est-à-dire de remettre un peu le sport au centre, comme un équilibre aussi de vie. Est-ce qu'il n'est jamais trop tard, Jean-Pierre Blacard ? Alors, pour répondre à votre question, il n'est jamais trop tard. En revanche, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça a besoin d'être accompagné. Je crois qu'il faut qu'on arrive à cerner ses propres limites. Et si on n'y arrive pas tout seul, il faut se faire aider pour les cerner. D'où là encore un suivi médical minimum. Si on part du cas où la personne donc, a arrêté, hein, on était dans ce cas-là. Après, on pourra voir autre chose. Et dans le cas de la personne qui, effectivement, pour différentes raisons, et elles sont extrêmement fréquentes, et dans notre monde, on est confronté souvent à ça, hein, de la personne qui donc a fait du sport jusqu'à 17, 18 ans, 20 ans, hein, et puis du jour, effectivement, il a quitté la vie scolaire, la vie étudiantine, hein, pour s'installer, travailler. Évoluer dans son métier, se marier, avoir des enfants, il faut s'occuper des enfants, la maison, etc. On se retrouve avec un arrêt. Et là, on se retrouve donc avec des gens qui arrivent à 40, 45 ans, 50 ans, ça fait 10, 15 ans qu'ils n'ont pas pratiqué. Et là, il y a un gros danger. J'avais lu ça une fois et j'adore cette formule que je reprends régulièrement qui s'appelle le Tarzan du dimanche. Hein, le Tarzan du dimanche, c'est la personne qui faisait du sport, donc à un bon niveau, hein, et qui donc décide, alors on va prendre l'exemple le plus classique, c'est le vélo, hein, faisait du vélo, hein, et donc décide 15 ans après, 10 ans après, de sortir son vélo plein de poussière, hein, parce que les copains lui disent, oh, maintenant tu as le temps, tu pourrais venir sortir avec nous, et qui décide de suivre les copains. Hein, et il a oublié que ça fait 15 ans qu'il ne pratique pas. Et là, on se retrouve confronté donc, à un certain nombre de dangers qu'on peut évoquer, bon, qui sont les accidents cardiovasculaires en particulier. Je crois qu'il est très important, on peut reprendre, donc, pour revenir à la question, donc on peut reprendre quel que soit l'âge, à condition, encore une fois, de connaître ses limites, et si on n'y arrive pas tout seul, de se faire aider. Et ça, c'est capital. Et surtout, de ne pas faire le Tarzan du dimanche. Fabrice Landreau, là, on parle effectivement de personnes qui ont complètement arrêté le sport pendant un certain temps. Mais quand on continue à pratiquer le sport, finalement, quand on passe de l'adolescence puis à l'adulte et qu'on continue de pratiquer un sport de manière régulière, effectivement. Est-ce que là aussi, finalement, à l'âge adulte, il y a quand même des changements, et notamment pour accompagner le corps qui vieillit progressivement. Est-ce que là aussi, ça demande un accompagnement? Et dans les clubs, c'est aussi une dimension très, très importante de sentir comment les limites bougent, comment les repères bougent, effectivement, alors qu'on soit dans un sport très engagé de compétition ou même on va dire un autre niveau, mais en tout cas, est-ce que cette dimension-là d'accompagnement, elle est toujours fondamentale, qu'on soit un très grand sportif, qu'on ait toujours été un très grand sportif, ou un sportif qui a arrêté et qui reprend le sport? Alors, paradoxalement, autant on a du mal à faire du sport pour une certaine catégorie d'adolescents, pour des raisons diverses et variées, autant lorsqu'on est adulte, c'est une notion qui devient presque prioritaire. Je trouve que c'est quasiment la seule tranche d'âge où il y a autant de sensibilisation au quotidien, à la radio, à la télé, prenez soin de vous, mangez 5 fruits et légumes par jour, attention aux accidents cardiovasculaires, attention à l'abus d'alcool, attention à tout ça. Je trouve qu'on est extrêmement sensibilisés, nous les adultes, bien plus que pour les enfants.
et qu'on nous incite à avoir une dépense énergétique pour se sentir en bonne santé, en tout cas de continuer à être en bonne santé. Ce qui fait que la notion de vouloir se dépenser physiquement, d'une manière intense ou pas, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, on a une oppression par rapport à notre travail et on a besoin d'avoir cette petite bulle. Prenez les codes du travail il y a 30 ans, les ordinateurs portables ne fonctionnaient pas. Ça n'existait pas. Il y a 40 ans, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'ordinateur portable. Le téléphone portable n'existait pas. Lorsque vous rentriez chez vous à 17h, 18h, 19h, pour ceux qui étaient dans l'administration, le portable était fermé, pas besoin de retravailler. Aujourd'hui, vous êtes sans arrêt stimulé, vous rentrez à la maison, vous mangez, vous ouvrez l'ordinateur parce que vous n'avez pas renvoyé le bon mail au bon moment à votre chef le lendemain. Donc, il y a une oppression continuelle où on devient complètement... en fait, notre esprit est pris totalement par l'activité travail et à un moment donné, on a besoin d'avoir cette bulle. Sinon, ben, mentalement, psychologiquement, on craque. Si psychologiquement, on craque, le corps, quelque part, va craquer aussi. J'ai une formule que j'aime bien, c'est souvent quand j'ai mal au dos, c'est que j'en ai plein le dos. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a besoin de ça. Donc, le milieu de l'entreprise, le milieu aujourd'hui du travail, organise au sein même des grosses entreprises, des grosses sociétés, des temps libres où il peut y avoir un moment de détente, d'activité, quelle qu'elle soit, pour pouvoir se régénérer. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que qu'on fasse du sport, loisir, ça devient essentiel parce que c'est un besoin tellement il y a cette notion travail, famille au quotidien avec cette pression quotidienne liée à nos réseaux, à tout ce qui fait l'activité. Cette pression quotidienne, on a besoin de ça. Et ensuite, si on veut parler du côté plutôt sportif, compétition, bon ben, j'ai envie de dire, une carrière de sportif, c'est extrêmement rigoureux, mais c'est 20 ans, 30 ans. Donc là, on est dans une bulle. C'est, voilà, c'est quelque chose où on est engagé. Alors, plus on va être au plus haut niveau, ben, forcément, les contraintes vont être bien plus importantes. Mais après, toute l'après-carrière, l'après-vraiment carrière de sport de haut niveau, c'est là où il y a danger. Et on l'a. Enfin, tu continues la compète, non ? Ben, moi pas. Et ben, j'ai senti tout de suite la bascule et j'ai plus envie de faire de sport. C'est terrible. J'ai fait ça tout le temps depuis tout petit. Je n'ai plus envie. C'est affreux. Mon père m'engueule souvent. C'est terrible. Mais c'est dingue parce que j'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Et il y a cet aspect-là où on doit trouver la bonne activité qui cérébralement va nous redonner de la joie, du plaisir, de la motivation, sans douleur. Aujourd'hui, je veux un sport sans douleur. Je ne veux plus avoir la sensation de mal au genou, de mal au dos. Je veux que du plaisir et permettre de m'épanouir encore. Donc, c'est plutôt ça aujourd'hui que l'on recherche. Et il me semble, moi, dans notre société, enfin, mais c'est là où on est le plus sensibilisé à cette tranche d'âge-là. Alors, sensibiliser, mais effectivement, sans justement bien mettre en œuvre aussi, rompre avec l'attention professionnelle. L'activité sportive chez un adulte, elle peut se faire de différentes façons. Hein, donc, vous allez avoir l'adulte qui va le pratiquer d'une manière autonome, individuelle, une personne qui va courir dans les bois le soir quand il a fini, ou prendre son vélo et faire une sortie en vélo. Vous avez la sortie après la pratique en pareil, autonome, mais en groupe. Enfin, faire ça mais avec des copains, mais ce n'est pas encadré. Et puis après, vous avez la pratique encadrée. Hein, donc, la pratique encadrée qui va se faire essentiellement à deux niveaux, soit par l'intermédiaire de clubs et d'associations. Donc, et ensuite, vous avez la pratique éventuellement donc aussi dans les centres de remise en forme. Voilà. Donc, à partir de là, chacun peut trouver chaussure à son pied dans cette pratique qui, effectivement, est dans cette fameuse recherche de la définition de la santé. Hein, avec ce fameux bien-être physique, mental et social est nécessaire plus que jamais dans notre monde moderne. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et donc, on va trouver dans cette pratique d'activité sportive, donc, où on peut espérer trouver donc, ce bien-être mental, social particulier, et évidemment le physique, si, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas n'importe quoi sur le plan physique, parce que là encore, en fonction de la vie qu'on a eue avant, on n'est pas tous avec les mêmes facteurs de risque.
Pour lancer peut-être un débat avec, puisqu'on a la chance quand même d'avoir des personnes qui ont évolué à un haut niveau, il y a le cas particulier, donc des sportifs de haut niveau, dans lesquels, bon, au niveau national, international, bon, ça c'est un débat, mais enfin, des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils en font quotidiennement et effectivement des fois qu'ils vont en pleurer. Et donc là, c'est une thématique très particulière. Je fais juste que l'évoquer parce que, à moins que Julie et puis Fabrice veuillent bien relayer derrière, mais ça mériterait un débat à lui tout seul, quoi. Hein, la pratique, enfin, elle toute seule, la pratique du sport de haut niveau, hein, avec en particulier les risques, parce que là, on n'est plus dans le cadre des bénéfices, hein, on est dans le cadre des risques, bon, que je vais évoquer ultra rapidement, donc qui sont, bon, le risque du dopage, hein, qui sont le risque de la traumatologie. Hein, le risque de la traumatologie, et donc chose qui est, enfin pas nouvelle, mais dont on parle depuis quelques mois, hein, qui sont les désordres psychologiques. Hein, les désordres psychologiques, c'est devenu quelque chose dont on parle récemment. Hein. Alors les addictions, mais aussi les burn-out, les états dépressifs, les tentatives de suicide. Hein, on a vu donc des tenniswomen de haut niveau, hein, qui brutalement décident d'arrêter de pratiquer. Hein, on a eu des témoignages de footballeurs qui pourtant gagnent suffisamment d'argent, dire mais moi je peux plus, hein, je peux plus. Hein, et des exemples, il y en a dans tous les sports. Donc ça, c'est une thématique qui mériterait peut-être un débat à elle toute seule. Mais c'était important de l'évoquer. Peut-être un mot quand même, le témoignage de Julie Pierret sur cette dimension, effectivement, par rapport à ce qu'a dit Fabrice Landreau, cette dimension aussi de blessure importante, puisque vous connaissez ça, Julie Pierret. Donc, comment on vit ça aussi, justement, quand on perd cet équilibre-là, entre guillemets? Dans un premier temps, ça ne m'a pas rassurée sur ma fin de carrière. Alors, il faut continuer. Mais, alors déjà, je pense que pour les sportifs de haut niveau, le sport, c'est notre drogue, en fait. On est clairement addict à la pratique du sport et aux émotions qu'on peut vivre. Enfin, je sais pas si t'es d'accord. Mais on vit de très belles choses, sincèrement. C'est des moments qui sont magiques et qui sont d'une intensité extrême. Mais il y a aussi les bas. Et c'est souvent ce qu'on voit pas, en fait, dans le sport. Et quand on parle de santé mentale et santé physique, bon, je prends mon cas. Moi, j'ai eu deux ruptures du ligament croisé, une de l'externe, et récemment, je me suis désinséré l'interne. Donc, c'est-à-dire que sur mon genou gauche, il n'y a plus rien qui est normal, en gros. Oui, je sais très bien que en vieillissant, ça va être très compliqué physiquement. J'aurai sûrement une prothèse de genou. Après, ben, le sport fait que moi, c'est ce qui me tient, je suis addict. Je suis addict au judo, c'est comme ça, j'arrive pas à m'en passer. Et oui, mais je prends le risque, en fait, pour ces petits moments de joie, ouais, et d'émotions intenses. En fait, c'est indescriptible. Et quand on parle de burn-out, de dépression, sincèrement, dans une carrière, je pense que de nombreux athlètes ont des gros bas et des dépressions. Parce qu'il y a plein de facteurs qu'on voit pas forcément quand on regarde le sport et quand on est dans le milieu, mais on a la pression, on a des fédérations qui nous mettent aussi la pression, on a des injustices, enfin il y a énormément de choses, il y a des blessures, et je pense que le sport de haut niveau et le sport à l'extrême, il y a une notion qui est, oui, dangereuse pour la santé, mais d'un autre côté, on vit des choses qui sont tellement incroyables qu'on peut pas... J'ai pas dit que c'était dangereux pour la santé. Non, J'ai mais dit dangereux. Qu'il suffisait de maîtriser les risques. Oui, mais alors si on est à 100% dans son projet, inconsciemment, on ne les maîtrise pas. Il faut bien être encadré, il faut essayer de minimiser les risques. C'est sûr. Même si, effectivement, bon, un croisé qui arrive, je veux dire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui peut empêcher, quoique on peut essayer de faire de la prévention. Non, mais c'est l'aspect psychologique derrière. Moi, ce que je voulais, Fabrice, l'a évoqué tout à l'heure, mais peut-être il peut en dire plus, il y a aussi quelque chose dans les désordres psychologiques des sportifs de haut niveau. J'espère que tu n'y seras pas confronté, Julie. C'est ce qu'on appelle cette petite mort, hein, de l'arrêt de l'activité. Tu l'as évoqué rapidement, mais c'est quelque chose, je pense que les sportifs de haut niveau n'abordent pas tous à égalité. Il y en a qui s'y préparent, mais il y en a d'autres, c'est dramatique, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment s'y préparer aussi? Moi, c'est l'arrêt de ma carrière, c'est quelque chose qui me fait peur. Je sais que
J'ai 27 ans, donc je pense que je vais aller jusqu'à 30 ans. Donc il me reste 4 saisons. Mon objectif, ça serait les Jeux de 2024. Après, je pense que je lâcherai un peu. Mais bien sûr que cet arrêt, on y pense et que ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va, comment psychologiquement on va réagir, comment physiquement on va réagir. Parce que si on arrête, on s'entraîne bicotidiennement. Donc ça veut dire qu'on a 2 entraînements par jour. Donc ça veut dire passer 2 entraînements par jour à, je pense, sûrement plus rien parce qu'on souffre tellement, parce qu'on a mal partout. On va quand même s'entraîner. Ben, je pense qu'à un moment, on a envie aussi, après la carrière, d'exploser. Enfin, de se laisser vivre. Et je pense que, bah, que ce soit physiquement ou psychologiquement, il faut le préparer, quoi. Ça ne se prépare pas. Et merde. Un moment, ça arrive, mais on ne peut pas vraiment s'y préparer. Ça ne se prépare pas. Parce que pour vivre la carrière que tu es en train de vivre, elle n'a pas commencé ta carrière à 21 ans ou 22 ans. Tu l'as commencé à l'âge de 8 ans et 10 ans et tu ne le savais pas. Et après, c'est l'esprit de compétition, c'est tes qualités qui t'ont permis de franchir les paliers. Et au moment où tu as dû arriver junior, tu as commencé à être sélectionné. Et là, tu as été pris par le syndrome de la compète et avoir envie de gagner. Et tu as eu cette rage de vaincre qui t'a différencié des autres et qui t'a poussé jusqu'à aujourd'hui à être une championne. Et ça, ça demande quoi ? Ça t'a demandé énormément de sacrifices. Sacrifice par rapport à ton corps, sacrifice par rapport à tes études, sacrifice par rapport à ta famille, parce que tu as dû te délocaliser, peut-être que tu es à l'INSEP, je ne connais pas. Hein. Tu as dû aller à l'INSEP et tu as été confronté à une bulle où tu es très encadré. Tu es encadré par ta fédé, tu es encadré par tes coachs, par tes médecins, et tu es dans une bulle et tu te coupes du monde de la vraie vie. Et ce qui fait que quand on est pris dans ce mouvement-là, dans ce tourbillon, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie que d'être champion. Donc, on oublie tout ce qu'il y a à côté. Et puis, on vit à travers tous ces moments que tu as dit, de joie, d'émotions fortes, que seul le sport et probablement d'autres activités vous permettent de vous sublimer avec cette adrénaline qui monte, on ne sait pas d'où elle sort, ces moments de grâce, avec ces instants où il n'y a que vous qui pouvait vivre ça et vous êtes vraiment privilégié. Et c'est ce qui fait qu'on fait autant de sacrifices, qu'on va martyriser son corps, qu'on va peut-être, eh bien, pas forcément avoir une vie sociale normale. Et puis, il y a tout cet aspect médiatique, cette mise en lumière, où vous avez l'impression d'être un coup de projecteur. Et puis, le jour du grand soir, où ça s'arrête pour vous, eh bien, vous avez fait un sport de haut niveau depuis votre plus jeune âge. Vous n'avez pas forcément fait votre double projet. Quand vous consacrez de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans ou 31 ans, toute votre jeunesse, tout là où vous pouvez acquérir plein de notions à votre sport, quand vous arrivez à 31 ans, basculer dans la vie active sans accompagnement, eh bien, je peux vous dire que c'est la jungle. Et on se sent, on a peut-être été des grands champions, mais on se sent seul au monde et incapable de produire quoi que ce soit dans une entreprise. C'est Groupama ce soir, c'est ça ? Bon, eh ben, demandez à, je sais pas moi, Mbappé, quand il va arriver à 30 ans, de dire, eh ben, j'arrête ma carrière, je vais rentrer chez Groupama, tu vas me faire tel et tel dossier, ben, Mbappé, il ne va pas savoir faire. Il n'a pas été préparé à ça. Et c'est là, quand on parle de cette petite mort, elle est terrible, parce que psychologiquement, si on n'a pas auparavant eu un socle fort, donc un socle familial, d'être bien accompagné, d'avoir suggéré ça, d'avoir anticipé 4-5 ans avant sa fin de carrière, qu'est-ce que je vais faire dans ma reconversion ? Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des drames qui se passent. Et c'est là où l'addiction est forte. C'est là où les dangers apparaissent. Dépression nerveuse. La blessure, lorsque la blessure intervient, et tous les sportifs l'ont obtenu, vous êtes seul au monde. Vous devez vous battre non seulement pour vous, pour retrouver le niveau, et vous devez vous battre contre le regard des autres qui ne croient plus en vous parce que vous êtes blessé. Donc, il y a toute cette bataille qui se fait là. Si on ne prépare pas ça, si on n'est pas vraiment accompagné, eh bien, vous avez des dépressions. Comment est-ce qu'on va combattre ça ? Par du médicament. Donc, on tombe dans les addictions, par du dopage et on tombe encore dans des addictions parce que lorsqu'on est champion, on ne veut pas perdre cette image, cette aura, parce que c'est toute votre vie à cet instant-là, entre
15 ans et 30 ans. C'est toute votre vie. Il n'y a rien de plus important que cette vie-là. Et donc, il y a des drames qui se produisent. Nous, au sein du rugby, on a un jeune joueur de 30 ans qui s'est donné la mort, alors qu'il avait fondé une belle famille avec deux beaux enfants, que tout allait bien pour lui. Eh bien, psychologiquement, il y a eu le petit moment de doute qui a fait que c'était trop dur à supporter pour lui. Et c'est là où, justement, notre sport, aujourd'hui, c'est un grave danger, parce que vous avez une petite communauté de sportifs de très haut niveau, et on les voit, ils sont tous consultants, vous les voyez dans les publicités, il n'y aura pas de problème pour eux. La reconversion, ils n'ont pas besoin de travailler. Mais pour l'essentiel, les 90% d'autres sportifs qui ont connu une carrière de haut niveau, qu'elle soit médiatique ou pas médiatique, parce que quelqu'un qui fait du biathlon ou quelqu'un qui fait du hockey sur glace aujourd'hui au plus haut niveau, il n'a pas la même exposition qu'une gymnaste. Pourtant, Dieu sait si c'est dur, la gymnastique, il n'y a pas la même exposition. Eh bien, derrière, on va avoir peut-être des drames psychologiques. Donc, c'est là où il faut intervenir. Et on n'est pas accompagné. On n'est pas accompagné. Psychologue, psychiatre, médecine, il n'y a rien. On est vraiment seul au monde. Et là, c'est un vrai danger. Alors, aujourd'hui, je vais vous rassurer, là, je vous fais le truc un peu grave, mais nous, dans notre petit club de Cognac-Saint-Jean-d'Angély, dès qu'il y a eu l'union Cognac-Saint-Jean, mais peut-être que tu étais à l'initiative de ça, à Saint-Jean-d'Angély, avant de faire l'union avec Cognac, il y avait déjà au sein de la structure de Saint-Jean, Sylvie Materna, qui était une psychologue et qui accompagnait, et pourtant, ce n'était pas le super haut niveau, mais qui accompagnait justement chaque personne pour voilà, savoir est-ce qu'il y avait et dédramatiser les choses, les orienter, les accompagner. Et c'est vrai que l'après-carrière, c'est surtout ce qui préoccupe les gars et pas seulement la dernière année. Qu'est-ce que je vais faire parce que je veux faire l'année de plus pour me dire qu'il faut que je la prépare. Non, ça s'anticipe beaucoup avant. Et aujourd'hui, très honnêtement, lorsque je vois moi tous mes copains du rugby, voilà, il y a ma génération où on a connu le sport amateur. Et quand on a commencé le rugby, ben on bossait, on s'entraînait le soir, et puis c'était comme ça, et on a gardé cette notion de travail. On a une génération aujourd'hui, les mômes, ils vont à l'école jusqu'à 18 ans, ils sont en pôle, à partir de 16 ans, ils sont en pôle, et puis on les lâche quand ils ont fait leur carrière à 30 ans, ils n'ont jamais connu le boulot, jamais fait de stage en entreprise, rien, ils n'ont été que là-dedans. Quand on les jette dans la nature, je peux vous dire que c'est... voilà. C'est super compliqué. Et c'est là où on a des drames aujourd'hui qui apparaissent, et notamment avec cette génération qui va arriver dans 7-8 ans. Eux, ça va leur faire très, très drôle. Hein. Eux, ça va leur faire, la génération geek, là, eux, ça va leur faire drôle. Hein. Parce qu'ils ne vont pas trouver du boulot sur leur portable. Hein. Alors, Jean-Claude. Jean-Claude Plassereau, ça va être l'heure des briques, pour la troisième partie, que vous allez donc placer habilement. Alors, une brique très rapide. Je pense que Mbappé, lui, va carrément racheter Groupama. Ça résoudra le problème. La deuxième brique, tu as fait une petite erreur physiologique, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ta spécialité. Tu as parlé d'adrénaline. Or, je parle sous couvert de mon maître. L'adrénaline, c'est une hormone qui nous sert essentiellement à monter la tension pour pouvoir fuir en cas d'agression. Donc, ce n'est pas la bonne hormone. Par contre, il a parlé des endorphines, qui sont des morphine-like, hein, j'utilise un mot anglais, excusez-moi, qui sont des produits similaires à la morphine que l'on sécrète quand on fait plus de 45 minutes de sport, je dis en endurance, pas courir comme un âne. En endurance, vélo, natation, cool, la balade dont on parlait tout à l'heure, on sécrète de l'endorphine. Et quand on a une récompense, parce que ah, tiens, j'ai fait 10 km, avant j'en faisais que 7, eh bien on sécrète aussi d'autres hormones, je vais vous abreuver avec quelques mots que vous connaissez peut-être déjà, c'est sérotonine, qui est l'hormone du plaisir quand même, et dopamine. Mais il y en a d'autres, hein. Je ne vais pas vous emmerder avec tout ça, mais c'est quand même important d'avoir entendu ça un jour, parce que la sérotonine, on peut la sécréter, je parle comme un homme, mais je serais une femme, je prendrais le discours à l'envers, ça serait exactement les mêmes mots. C'est quand je suis sous la couette avec une dame, je vais sécréter de la sérotonine aussi, là-dedans. Ça va être une hormone du plaisir. Mais je suis à la troisième mi-temps et je suis au bout de 12. Il a parlé de Ricard, par exemple, pour faire une blague.
eh bien, je vais sécréter aussi de la sérotonine au même endroit par l'alcool, d'où on retombe sur les addictions, parce que c'est le même endroit. Et nous avons des médicaments, il a parlé des médicaments, il y a un rôle aussi dans les prescriptions. Notre rôle est très important d'orienter les prescriptions et de guider les gens sur les médicaments, où effectivement, ça permet de sécréter de la sérotonine. Mais vous faites un shoot à l'héroïne, au-delà de la dangerosité cardiovasculaire et cérébrale, ça sécrète aussi de la sérotonine. C'est pour ça que les gens sont addicts, parce que quand ils s'en mettent, hein, de la coke, du machin, du truc, ça sécrète aussi de la sérotonine qui nous fait du plaisir. Offrir un beau bouquet de fleurs à Erika, finir avec elle, excuse-moi de te prendre un exemple, mais avec elle sous la couette, mais c'est important de le présenter comme ça. Non, mais voilà, c'est ça. Ou de faire une bonne troisième mi-temps avec mon club de rugby, par exemple, mais ça peut être au dojo en judo, ou fêter sa médaille d'or. On va se sécréter tout pareil. Or, qu'est-ce que cherchent les gens? C'est s'auto récompenser, oui, c'est vouloir se récompenser, mais s'auto-médicaliser, excusez-moi, le mot est peut-être pas très bon, mais en gros, j'ouvre la pharmacie, j'y connais rien, à ça, ça va peut-être marcher. Voilà. Et l'être humain cherche toujours à faire ce genre de choses, entre autres, donc, les sportifs de haut niveau, parce qu'ils ont besoin d'un haut niveau de sécrétion journalière de leurs hormones, de la récompense, du plaisir, etc. Et d'où la petite mort quand c'est fini. Et une autre brique, si j'ai non, oui, non, j'embête le monde. Une autre brique. Je suis directeur de l'écurie alpine actuellement en Formule 1, imaginez. Est-ce que je vais aller chercher au musée Renault la 6 roues de Jean-Pierre Jabouille pour aller gagner le Grand Prix de Formule 1 de dimanche? Non. Pourquoi? C'est trop vieux, faut tout réviser. Il faut redémonter le moteur de partout, il faut vérifier si c'est aux côtes, il faut changer les pneus, ils sont complètement bouffés depuis 40 ans, etc., etc. Eh bien, et c'est là où je rebondis sur le sport chez l'adulte, celui qui a arrêté le sport depuis 10, 15, 20, 30, voire 40 ans, ça y est, je suis à la retraite, je vais me mettre au vélo. Celui-là, on l'a dit au départ, il faut absolument le passer au crible de partout. Prise de sang, électrocardiogramme, épreuve d'effort, faut l'emmerder. Faut l'emmerder. Mais je le dis vraiment. Oui, vous allez vous faire plaisir sur la route. Et d'abord, on passe tout au crible. Comme je passerais la Formule 1 d'il y a 40 ans si je voulais la faire retourner sur un circuit. C'est à peu près cette idée-là qu'il faut qu'on ait. On n'est pas des Formule 1, on est des êtres humains, mais c'est cet esprit-là. Il ne viendrait pas l'idée aux gens de voir la lampe rouge s'allumer au tableau de bord qui dit « Ah, il faut aller faire la vidange » et de dire « Bon, je vais attendre 20 000 km de plus. Ben, » ce n'est plus de l'huile, hein, c'est de l'eau et je vais serrer mon moteur. Hein. Je ne suis pas un grand mécano, mais c'est évident. Ben là, on obéit, on va chez son garagiste ou on le fait soi-même, peu importe, et on fait sa révision de sa voiture. Eh bien, l'être humain, il ne faut pas le négliger, il faut en faire la révision. C'est l'occasion d'aller palper un genou, voir s'il y a une instabilité. Ah, vous avez une instabilité. Vous envisagez de faire de la course à pied. Moi, je ferai d'abord une IRM pour voir si vous n'avez pas un ligament de coupé, quoi. Parce que vous risquez de vous défoncer le genou et définitivement, on vous colle une prothèse. Et vos espoirs d'aller faire de la course à pied sympa en petit club, et on va vous la détruire immédiatement. Et vous pouvez digresser complètement, décliner complètement sur tous les organes de notre corps. Pour vérifier la vue. Oui, c'est quand même important. Je vais faire du golf, je vais faire du tir à l'arc. C'est la moindre des choses. Hein. Et puis d'avoir l'adulte, qu'il ait 25 ou 65 ans, qu'il ait plusieurs sports, pas un seul. La randonnée pédestre, très bien, un peu de vélo, puis qu'il aille faire quelques lignes de natation, une fois par mois, ça peut suffire. Mais qui ne fasse pas travailler qu'un groupe musculaire ou que dans une seule idée. Et c'est un peu comme ça que je le vois. Je ne sais pas si j'ai raison. C'est spontané. Et j'ai un petit peu digressé par rapport aux sportifs de haut niveau. Moi, je m'attache plutôt aux sportifs du dimanche pour éviter qu'ils fassent Tarzan. Ça m'est arrivé hein, d'encadrer une course pédestre, que je faisais moi-même d'ailleurs,
Et on m'appelle en catastrophe. Et il y avait un mec, il n'avait pas couru depuis 30 ans et il était en arythmie. C'est-à-dire que le cœur battait n'importe comment. Il risquait l'AVC à tout moment. Hein. Heureusement, on était à 10 km de l'hosto. Ça s'est passé bien. Contre-indication totale à faire du sport avant au moins un an. Qu'on lui remette le cœur en place, qu'on vérifie qu'il aille faire une épreuve d'effort et tout. Le crétin de base, quoi. Bah, il a été puni, heureusement, sans gravité. Mais aider comme ça, on en a... Faut le jeter. Faut le jeter. Voilà. Bon. C'est très bien parce que vous avez fait naturellement la transition avec la quatrième partie. Parce que vous avez déjà abordé les plus de 65 ans. Complémentarité aussi, d'activer effectivement les groupes musculaires, de connaître et de faire connaître finalement son corps par un médecin, par un suivi médical. Jean-Pierre Blacard, donc là, on est dans l'essentiel. Alors, parce que c'est vrai oui. Que vous disiez, on arrive à la retraite, on a du temps finalement disponible devant soi, on a envie de l'occuper, on se dit que l'activité physique, le sport, bah, c'est une très bonne chose pour se maintenir en bonne santé. Et puis effectivement, bah, le risque, il est permanent si on ne sait pas où on va, comment on y va, à travers quel sport et avec quelle intensité ? Oui, alors toutes les problématiques, de la pratique du sport chez les plus de 65 ans, on les a déjà ponctuellement et brique par brique évoquées. On peut essayer un petit peu de les remettre en ordre. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour pratiquer. En revanche, si on revient à l'historique de la pratique du sport, on va dire qu'il y a trois raisons de faire du sport. Vous avez la première raison, qui est la raison de départ et qui finalement se retrouve dès le plus jeune âge, c'est la raison plaisir. Hein, la raison plaisir. Après, si on devient bon ou même simplement parce qu'on aime ça, on passe à la raison goût de l'effort, performance, compétition. Et là, on arrive à plus de 65 ans, il faut un petit peu oublier. On reste sur la partie plaisir, mais on oublie la partie compétition, mais rien n'empêche de continuer. Et Dieu merci, dans la plupart des activités sportives, on a développé maintenant des concepts de sport-loisir qui sont adaptés donc aux personnes plus âgées, donc plus de 65 ans. Il existe du judo loisir, je crois. Il existe du foot loisir, du rugby loisir, je ne sais pas, mais hein, c'est du rugby sans toi où on peut juste toucher, quoi. Hein, voilà. Donc, ils sont adaptés. Donc, le mot clé chez le senior de plus de 65 ans, hein, senior en gros, on va dire 65 ans, l'âge de la retraite, plus ou moins, ça va être débattu peut-être dans les mois à venir, mais enfin, ça, c'est pas mon problème. Donc, la pratique donc, de l'activité sportive donc, chez le plus de 65 ans, elle doit être donc adaptée à l'état physique de chacun. Mais on a toujours derrière cette notion que la santé, ce n'est pas simplement physique, mais c'est aussi mental et social. D'où l'intérêt de continuer à pratiquer une activité sportive. C'est très important. Alors, pour reprendre plutôt ce qu'a dit tout à fait justement donc Jean-Claude, c'est que la pratique d'une activité physique, d'une activité sportive, pardon, à cet âge-là, on enlève le mot compétition, à quelques exceptions près. Il y a certains sports où on continue la compétition à tort ou à raison, comme le tennis. Je sais qu'on a des championnats de plus de 75 ans. Je ne sais même pas s'il n'y a pas des plus de 85 ans. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais globalement, donc, on enlève le mot compétition et on revient donc à la pratique du sport pour le plaisir et donc, là, cette fois, avec une démarche dans la tête de santé, chose qu'on ne faisait pas forcément avant. On pratiquait du sport, on y incluait le concept de santé, mais on ne pensait pas forcément qu'on faisait du sport pour la santé. Là, on arrive à un âge où on dit « j'aime ça, je veux faire ça », mais également derrière, j'ai une arrière-pensée quand même que peut-être ce serait bien pour ma santé.
Donc ça, c'est une chose importante. On le fait donc pour la santé. Donc pour la santé, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est effectivement de ne pas se contenter d'une seule pratique, d'un seul sport. Il faut développer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, même si théoriquement, ça aurait dû être fait bien avant. Mais il n'est jamais trop tard. Hein. Encore une fois, il n'est jamais trop tard pour reprendre une activité sportive. Il faut développer donc toutes les capacités. Donc, il y a la capacité cardio-respiratoire, ça c'est très important, effectivement, pour prévenir les accidents cardiovasculaires. Mais il faut également développer, pour prévenir, donc s'occuper des capacités donc, de mobilisation. Donc, il faut faire des travaux d'étirement, d'assouplissement, en ne faisant pas n'importe quoi là non plus. Il y a tout un travail à faire sur l'équilibre, puisqu'on sait quand même que l'équilibre est une cause d'accident extrêmement importante chez les personnes âgées. Donc, à partir de là, on va choisir ou on va se faire conseiller de choisir telle ou telle pratique. Et on ne met pas tous les œufs dans le même panier. On peut faire, donc, par exemple, ce qui peut se faire extrêmement facilement un petit peu partout, c'est d'aller faire de la rando avec les copains. On garde toujours l'esprit social. Et également, d'aller au club de gymnastique volontaire pour travailler un petit peu ses assouplissements. Voilà, c'est l'association. On peut y mêler un petit peu de natation, faire un peu de vélo. Enfin, il y a un certain nombre d'activités qu'on peut faire. Et là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il y a juste des limites par rapport à sa propre santé. D'où, et je termine là-dessus, on en revient toujours à la même chose depuis le départ jusqu'à l'arrivée, mais encore plus à l'arrivée, une surveillance médicale qui doit comprendre tout ce qu'il faut pour que les gens aient le moins possible de problèmes en pratiquant. Ça vous va ? Gilles Pierret, peut-être un mot effectivement sur le rugby loisir, le judo loisir, ça existe ? Pour les plus âgés ? Oui, non, je sais que ça existe. Oui, il y a, en fait, il y a des compétitions, mais pareil, c'est toujours en termes de compétition. En fait, il y a le judo loisir, mais ça va être donc des entraînements plus techniques, on va dire. Mais après, il y a aussi nous, on a ce qu'on appelle le judo vétéran. Avec, alors, le judo santé, j'en ai jamais entendu parler. Il y a une autre forme qui est associée au judo, c'est le taïso. C'est du renforcement plus renforcement adapté aux personnes adultes et seniors, enfin plus âgées qu'adultes. Mais après, non, le judo, enfin, c'est vrai qu'il y a des classes vétérantes. Après, je pourrais pas vous en dire plus parce que je connais pas les classes d'âge, mais je crois que c'est 40, 50, 50, 60 ou des choses comme ça. On n'est pas sur les plus de 65. Je suis pas certaine. Pour le rugby loisir Le rugby loisir, ça existe. C'est une pratique qui est même maintenant licenciée par la fédération. Donc, c'est assez démocratisé, mais toujours pareil, tout dépend de notre mobilité. Donc, la seule chose qui change dans ce rugby loisir, c'est qu'il n'y a pas de contact, pas de plaquage. Donc, c'est plutôt agréable. Mais en revanche, tout dépend de votre mobilité. Est-ce qu'on est capable de courir ou pas? Donc, ça, ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est limitant. Donc, il faut quand même être en bonne santé pour pouvoir faire pratiquer le rugby loisir. Alors, est-ce que, de manière générale aussi, Jean-Claude Plasserou, vous ne prendrez pas la parole forcément à la fin pour rajouter des briques, est-ce que, de manière générale, effectivement, par rapport à la pratique du sport, si on a pratiqué toute sa vie de manière accompagnée, de manière régulière, est-ce qu'on a des chances quand même d'être en meilleure santé, a priori, quand on est senior ? C'est-à-dire de prendre moins de traitements médicamenteux et autres. Est-ce que c'est forcément le cas ou il y a toujours une injustice du corps, du physique de chacun finalement ? Il y a toujours une injustice. On trouvera toujours cette personne qui, à 60 ans, n'a jamais fumé, jamais bu, fait du vélo tous les samedis et tous les dimanches, de la rando l'été en montagne, un peu de ski l'hiver. Enfin bref, qui a toujours fait un peu de sport toutes les semaines, c'est bien entretenu, pas un kilo en trop, vous oubliez à quoi je ressemble, etc. Et qui va me faire quand même un cancer du poumon à 60 ans. Bon, on connaît, mais est-ce que c'est la majorité ? Moi, là où je vois, alors je vais être un petit peu trop médical, là où je vois franchement la différence, mais alors franchement, c'est en cas d'opération. Le sportif va mieux supporter l'anesthésie, va se réveiller plus vite, va être debout plus vite,
va faire sa rééducation plus vite, va lâcher sa canne plus vite, va lâcher son déambulateur, son fauteuil roulant, son machin, va cicatriser plus vite. Et ça, j'ai malheureusement pas d'études randomisées officielles à vous proposer, mais c'est une évidence de tous les jours dans mon métier. Le sportif du dimanche qui fait sa petite entretien, sa petite randonnée avec les copains depuis toujours, qui s'entretient bien, qui ne fait pas n'importe quoi, les 5 fruits et légumes, enfin, etc., il a un bénéfice toujours quelque part. Et je m'en rends compte. C'est incroyable. Je me souviens, par exemple, raconter ma vie, parce que celle-là, ça me passionne, quand on a opéré mon père des premiers pontages, je suis allé le voir en réa, il y avait lui, toujours entretenu. Alors, mon père faisait du sport puisqu'il a joué au Stade Rochelet jusqu'en junior. Et après, comme il était militaire, il faisait partie des gens qui entraînaient les soldats à faire les parcours, les machins, les trucs. Donc, il a très peu fumé, très peu bu. Et il passait son temps à courir avec les autres. Hein. Donc, jusqu'à 60 balais, il était en super forme. Ça allait bien. Ça n'empêche qu'il est allé faire des pontages. Et en réa, cardio-chir, il y avait lui et il y avait l'autre d'à côté qui avait 20 ans de moins puisqu'il avait 37 ans et qui souffrait le martyr parce que forcément il avait fumé toute sa vie, donc il toussait toutes les 10 secondes, ça tirait sur le sternum, c'était épouvantable. Mon père toussait absolument pas. Vous voyez la différence, il est allé prendre sa douche 2 jours après quoi, parce qu'il avait ce vécu sportif, cette mémoire dans son corps. C'était pas un surhomme, hein, loin de là, et qui lui permettait d'être plus en forme que les autres. Voilà. Et c'est là où le sportif de tous les jours gagne en bénéfice. Pour les plus de, on va dire, 65 ans arbitrairement, parce que j'ai des gens qui ont 80 ans, qui ont une physiologie de 60 ans, et des fois l'inverse. Hein, des gens de 60 ans qui ont plus des physiologies de 80 ans. Donc c'est très difficile, c'est trop hétérogène pour être formel, mais j'ai des gens qui se mettent au petit sport, hein, le petit sport qui fait plaisir du dimanche, et qui, je trouve, font des progrès, vont beaucoup mieux, ont des prises de sang qui se normalisent, sont capables d'aller faire leurs courses, de ramener 2 sacs alors qu'avant, ils avaient un truc à roulette parce qu'ils n'arrivaient pas à les porter, qui sont capables de me dire « Eh ben, ma voiture est tombée en panne, j'ai fait 3 km sur la route pour aller au village suivant téléphoner parce qu'ils n'avaient pas de portable, par exemple. Alors qu'avant, ils n'auraient pas été capables de faire ça. Donc, toutes ces petites victoires de tous les jours, de la vie de tous les jours, et c'est dû au fait d'avoir un entraînement permanent. Si modeste soit-il, il est toujours bien meilleur que l'entraînement de la tablette, de la télévision et du canapé, même si de temps en temps, ça fait plaisir aussi de le faire. Voilà. Alors, on va arriver doucement à la fin de cette table ronde et peut-être on va revenir à ce thème central. Hein, donc, le sport est-il essentiel à la santé? En quelques mots, Jean-Pierre Blacard, s'il fallait résumer, répondre à cette question. Le sport est-il essentiel à la santé? Juste d'abord un petit complément. Hein, je suis complètement d'accord avec toi, bien évidemment. J'allais résumer ça simplement en disant que le facteur de risque le plus important au niveau de la santé, c'est la génétique. Hein, mais qu'à génétique égale, celui qui fait du sport, hein, normalement, ira plus loin et mieux surtout, que celui qui ne fait pas de sport. Pour ce qui est de la réponse à la question, c'est ça que vous voulez savoir ? Oui. Le sport est-il essentiel pour la santé ? Alors, le sport est bien évidemment, je pense que tout le monde l'a compris, essentiel pour la santé, si on tient compte, encore une fois, des différentes composantes de la santé. Donc, selon les moments, ce n'est pas toujours la même chose, mais globalement, donc, la composante physique, la composante mentale et la composante sociale, le sport a un effet positif sur ces 3 composantes. Donc, à certains moments, d'une manière plus importante, à d'autres moments, mieux. Mais il faut tenir compte toujours de ces 3 composantes. C'est là où le sport fait la différence par rapport, encore une fois, à une activité physique utilitaire. Sous réserve, bien évidemment, quand même, qu'il soit, donc vous l'avez tous compris depuis que le début, qu'il soit adapté aux capacités de chacun. Je
suivi médical, un petit peu de raison gardée, etc. Mais ça, c'est très important, de ne pas faire n'importe quoi, et en particulier pas le tasan du dimanche dans notre tranche d'âge. Et enfin, le sport est essentiel à la santé, si on évite évidemment donc les risques et les dérives éventuelles, en particulier dans le cas des sportifs de haut niveau, mais aussi chez les tout-petits, par exemple, où certains éducateurs vont faire n'importe quoi, ou chez le senior qui oublie d'aller faire ses visites médicales. Voilà ce que je voulais dire. Alors, même question pour tout le monde, Julie Pierret. Oui, je pense qu'il a bien résumé la soirée. Donc, je rajouterai rien. Je trouve que c'était parfait. Fabrice Landreau. Moi, je vais être très court. Faites du sport, commencez le sport ou continuez à faire du sport. Et le dernier mot, donc, Jean-Claude Plassereau. Une dernière brique. Il m'a volé ma conclusion. Effectivement, je voudrais redire, faites du sport tout le temps. Je vais mixer un peu tout. Faites du sport tout le temps. Faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Adaptez-vous à vous-même, etc. Conseil d'un médecin, d'un coach sportif, d'un machin. Enfin, tous les bons conseils, pas les mauvais. Hein. Par contre, je voudrais reprendre doit-on faire du sport toute la vie, je reprendrai la célèbre réflexion qu'on avait demandé à Sir Winston Churchill. À 92 ans, pourquoi vous avez une telle longévité et vous avez un tel truc? Le mec, c'était 3 Churchill par jour et une demi à 3/4 de bouteille de whisky par jour, ce qui est quand même assez loin d'un entraînement sportif. Et donc, il avait répondu aux journalistes « No sport ». C'était très clair. Par contre, quand on connaît l'histoire de Winston Churchill, il faut savoir que c'est un type qui avait fait énormément de sport étant jeune, puisqu'il avait fait la guerre des Boers, par exemple, en Afrique du Sud. Il a été même prisonnier par les Zoulous, enfin, je ne reviens pas là-dessus, etc. Donc, il avait fait beaucoup de sport étant jeune, et la génétique a fait toute sa différence, puisque c'est un homme, il y avait au moins un pan de sa génétique qui était important, il avait une psychose maniaco-dépressive, et donc, il avait une maladie psychiatrique chronique qui le poussait à se sublimer, je reprends le mot que tu as utilisé tout à l'heure, se sublimer en permanence. C'est grâce à sa maladie, moi je suis intimement convaincu, que c'est grâce à sa maladie psychiatrique qu'il a fait du sport à l'intérieur de lui et qu'il en faisait toujours plus dans le cadre de sa profession de politicien. Donc, quelque part, mais on peut être d'un avis totalement différent, bien sûr, hein, c'est ma réflexion, en fonction de ce que je sais. Et quelque part, évidemment, Sir Winston Churchill n'est pas un bon exemple du cadre de notre propos de ce soir, mais il faut savoir que c'est le fait de soi-même se pousser à faire quelque chose, adapté à nous, toujours sans dépasser les limites, sans prendre des produits qui nous font courir 2 fois plus vite, etc., et adapté à notre âge, avec les bons conseils et les pensez à votre voiture, hein, la révision, c'est tout bête. Hein. Et avec tout ça, on aura quand même une meilleure prévention. Et la maladie qui doit nous toucher à 50 ans, ben, nous touchera à 85. Ou à 70, elle nous touchera à 95. Ça sera quand même un peu mieux pour notre survie. Et on sera surtout beaucoup moins dépendant. Parce que vivre vieux, moi je veux bien, mais si c'est dans un fauteuil roulant comme Jeanne Calment, 30 ans au fond d'un lit, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est surtout être en bonne forme qui compte. Et pensez à ce vieil Indien qui s'est mis à faire du marathon à 92 ans. Il n'a jamais fait de sport de sa vie. Et il a fait un marathon à 92 ans en s'entraînant 6 mois. Et cette Américaine qui a battu le record du monde... Oui. Cette Américaine... Non, parce qu'il en a fait d'autres après. Cette Américaine qui a battu le record du monde du 100 mètres en 1 minute 06 ou quelque chose comme ça, elle avait 102 ans. Et notre cycliste qui est mort à plus de 100 ans, qui avait battu le record dans le vélo, à plus de 25 km en 1 heure, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein, vous regarderez les chiffres sur Internet. Voilà. Donc, ça prouve que quand même, ça maintient plutôt bien. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissez nos sportifs, surtout. Merci.
merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, je crois qu'on laisse le mot de la fin, le mot de la conclusion aux organisateurs de Groupama. D'abord, je voudrais faire une précision. Mbappé pourra pas rester. Donc, c'était une petite boutade, c'est vrai. On a tous compris. Donc, la... On a tous compris donc, que la pratique du sport devait être adaptée à tous les âges. Il faut apprendre à aimer le sport jeune. Que c'est l'affaire de tous, que c'est l'affaire des enseignants, que c'est l'affaire des clubs, c'est aussi l'affaire des familles. Moi, à titre personnel, j'ai mes filles qui ont fait de la gymnastique et j'ai été surpris de voir des parents qui amenaient le jour des compétitions, leurs filles, parce que ce sont surtout des filles qui font de la gymnastique, en robe de chambre et qui reviennent se coucher. Moi, j'étais à 4 heures à soigner les vaches et à 7 heures, j'étais au départ du bus pour accompagner. Et bon, donc voilà, c'était une petite boutade que je voulais faire. Donc, je voulais remercier nos intervenants qui ont été de très haute qualité, Fabrice Landreau, Julie Pierret, Jean-Claude Passereau et Jean-Pierre Blacker. On a tous compris qu'ils sont intarissables, on pourrait parler jusqu'à demain matin, on boirait leurs paroles. Je voudrais remercier aussi Erika Walter qui était l'animatrice de la soirée, qui a tant bien que mal essayé de les contenir. Voilà. Et qui est journaliste à RCF. Évidemment, l'équipe municipale de la Couronne, Monsieur le maire, Jean-François Doré, Jackie Bonnet, premier adjoint, David Brenon, qui est conseiller en charge des sports, Virginie Turnier, responsable de la vie associative et l'animation des territoires. J'associerai également l'Office municipal des sports, Jean-Pierre Carabini. On s'est rendu compte en se parlant qu'on avait à peu près les mêmes valeurs sur un certain nombre de sujets et c'est devenu une évidence pour nous qu'on allait monter ensemble cette soirée. Au niveau Groupama, donc Jérôme Château que vous avez vu en début de notre réunion, Stéphane Torcé qui est notre directeur au niveau départemental, Alice qui se cache là-bas derrière, qui se fait discrète, qui est la... qui pourrait venir avec moi sur scène d'ailleurs, qui est la cheville ouvrière, qui fait un travail de fourmi tous les jours et qu'on peut applaudir parce que c'est vraiment... c'est un des piliers de la fédération. Quentin Duverneuil donc, et l'équipe technique qui ont préparé toute cette journée. Mes collègues administrateurs de la fédération qui ont permis de valider cette réunion, de valider les budgets, de faire tout ce qui a été possible de faire. Les associations partenaires qui étaient présentes. Donc, en premier, je mettrai le comité départemental handisport, avec qui on fait de la prévention depuis bien avant que je sois à Groupama. On fait de la prévention dans les lycées, de la sensibilisation aux risques routiers et ils sont toujours à nos côtés pour ce genre de manifestations. Le COC rugby, COC cyclisme, Jarnac basketball. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Donc on peut les applaudir aussi. Donc cette journée, oui, donc nous avons commencé à l'élaborer, ça fait 2 ans maintenant. Alors le Covid nous a bien sûr freinés. La première journée, ça a été expliqué tout à l'heure, a été réalisée un mercredi après-midi sur les terrains de sport de la Couronne. Et depuis, on a redécidé donc de mener cette soirée et on a eu énormément de travaux de préparation. Même, je dirais, des réunions quasi hebdomadaires depuis un mois. Et depuis le début de l'année, on s'est rencontrés souvent. Voilà, donc je remercie toutes les équipes qui ont participé à cette préparation. Et puis, Groupama, c'est aussi la convivialité. Donc, on va vous inviter à un cocktail de clôture qui a été préparé par le bistrot de Saint-Michel. Et voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous aurez tiré profit
cette soirée et qu'on vous reverra sur une autre animation. Voilà, merci à tous.